Bonsoir à tous, bienvenue sur l'Onoscope numéro 64. Ce soir, je suis accompagné, comme d'habitude, de mon cher Loulou. Bonsoir Loulou, comment vas-tu? Bonsoir, je vais mieux, merci. Après une petite absence indépendante de ma volonté, tout va mieux, merci. Et Ah, tant mieux. Bonsoir à tout le monde. Ce soir, on est aussi accompagné de Matmoite. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va. Très bien, tout va bien. Et enfin, nous sommes aussi accompagnés de Shtuka. Comment vas-tu, Shtuka? Très bien, merci. Nickel. Bon, c'est parfait. Donc ce soir, on continue sur notre expérimentation de réduction des news. On va essayer cette fois-ci de ne pas faire plus de 2 heures. On verra bien si on y arrive. Et donc on va commencer tout de suite avec les news des 2 dernières semaines, celles qui nous ont le plus intéressés. Et on va commencer avec toi, Shtuka, puisque tu vas nous parler de Bohemia Interactive. Oui. Le 16 octobre était les 25 ans de Bohemia Interactive. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont les gens qui ont fait Arma. Dans le dernier opus, c'est Arma Reforger, sorti en 1.0 l'année dernière, qui est un peu une bêta pour leur nouveau moteur qui s'appelle l'Enfusion Engine. Et donc à l'occasion du concert pour fêter leur anniversaire, ils ont passé une image subliminale où il y avait marqué Arma 4 2027. Ouais. Effectivement, ouais. Je vais vous la montrer, mais en fait, il ne faut vraiment pas cligner des yeux. Donc, il faut que je partage juste vraiment. Hop, je cale. Je remonte 10 secondes en arrière. Je vous mets ça. Vous êtes prêts? Attention. Lecture. Et ouais, toute la musique en plus. Et voilà. Et c'est tout. C'était juste ça. Voilà, donc ils n'ont dit que ça, ces salauds, alors que bon, le dernier opus complet d'Arma, c'était Arma 3, qui est sorti en 2013, donc il y a 11 ans. Hein, voilà. Et Arma 4 pour 2027, sauf si c'est une blague, hein, bien sûr, on n'est pas à l'abri. On sait rien, en fait. Si ce n'est que Arma Reforger est toujours assez buggé, hein, parce que c'est Arma, faut pas déconner non plus. Ouais. Et que c'est toujours plus une bêta qu'autre chose, mais on attend. Peut-être dans 3 ans. Et peut-être en 3 ans, effectivement, parce que Arma 4 est quand même très attendu, hein. C'est quelque chose qui a fait un peu réagir, forcément. Même si 2027, c'est loin quand même, hein. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à ce qu'ils annoncent ça dans 2 ans et demi, quoi. On a fait plus des 2/3 du chemin, ça va aller. Ouais, bien sûr, mais bon. Non, c'est vrai que ça fait loin. Des jeux sandbox axés vraiment simulation militaire, malgré les quelques clones qui ont essayé de vivoter ça et là, Arma 3, ça reste un des trucs les plus joués. Oui, bien sûr. Ouais. Et Arma Reforger aussi, hein, il est pas mal joué. Hein, donc. Oui, Arma Reforger aussi est pas mal joué, mais il propose pas la même chose en termes de conception de missions custom, de mode, etc. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de vrai remplaçant à Arma 3 et ouais. Arma 4 est le Messi. Le Messi, exactement, oui. Tout à fait. Je pense que, bon, dans le chat, il y a des gens qui sont assez intéressés. Je sais que Gotax. Toi qui nous regardes souvent, tu es aussi pratiquant d'Arma et l'annonce de d'Arma 4, je sais pas si ça vous a un peu émoustillé, mais j'ai l'impression que les gens sont pas encore très très chauds dans le chat là. Ils se réveillent, hein. Ah, c'est compliqué, il fait nuit tôt maintenant, ouais. Mais en commentaire de la nuit, j'en ai vu un qui a dit qu'il espérait qu'il y aurait une bonne campagne solo parce que celle du 3 était un peu chiante. Et je suis assez d'accord. Moi, je ne l'ai jamais fini parce que j'ai trouvé ça chiant. Ouais. Et j'ai surtout joué en multi. Mm. Et c'est vrai que si on pouvait. Parce que moi, j'ai beaucoup plus joué à la campagne d'Opération Flashpoint, le premier. Moi aussi, oui. Mm. Et celle-là était quand même super cool. Donc si on pouvait avoir quelque chose. Du même acabit, ce serait très chouette. Après, moi, la campagne du premier, je me rappelle quand même passer de longues dizaines de minutes à ramper dans les buissons pour me faire headshot à 500 mètres quand j'arrivais dans un champ.
Ouais, voilà. Okay. Et Gotham, c'est pas d'accord avec toi. Il trouve que la campagne solo du 3 est géniale. Mais bon. Peut-être qu'il aime les trucs chiants, hein. C'est possible aussi. Hein. c'est vérifiable. Tout à fait. Ok. Eh bien, très bien. On va passer à la suite, puisque Loulou, toi, tu vas nous parler de Starship Troopers Extermination, qui est enfin sorti en version 1.0. Voilà, bah oui, voilà, donc tu as quasiment tout dit. C'est vrai que ça c'est. Il y a eu le déploiement de la version 1.0 le 11 octobre. Donc, pour rappel assez rapide, donc Star... Ah, on ne t'entend plus, Loulou. Ah, on m'entend là? Ouais, allez, vas-y. 1, 2, 1, 2. Ah, excusez-moi, donc comme je disais, pour rappel, donc le Starship Trooper Extermination, donc, jeu coopératif, où voilà, vous incarnez. Ah, malheureusement, je crois Darachnid. Que. Vous êtes comme moi là, vous entendez Loulou ou pas? Ouais, ça casse, ça coupe Loulou. Malheureusement, ah, ouais, il y a un peu plus fort, c'est bon, compliqué. Bah... Je pense Loulou qu'on va être obligé de couper ta webcam si on veut t'entendre. D'accord. Et on va faire ça. Attends, oups. En attendant, là vous voyez le trailer donc de la sortie en 1.0 de Starship Troopers. Ouais. Et tu nous dis quand t'as coupé ta cam et puis c'est bon. C'est bon? Voilà, donc ouais, je sais pas si on m'entend mieux maintenant. On t'entend parfaitement. C'est mieux. Ouais. D'accord, donc oui, comme je disais, donc c'est un jeu coop où on va dire des soldats vont Arachnid. Après il y a plusieurs modes de jeu et donc l'idée, voilà, comme il y a eu la version 1.0. Je suis désolé, mais je crois que ça fonctionne pas. Aïe. 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 On va reprendre la main sur la news. On va espérer que ça marche mieux tout à l'heure. D'accord. Ce qu'on va faire. Alors, du coup, je vais devoir déplacer les noms après, mais c'est pas très grave. Est-ce que quelqu'un peut reprendre sur Starship Troopers? Ouais. Oui. Pendant ce temps-là, Loulou, essaie de vérifier si t'as pas un truc en train de ploder. D'accord. Ouais. Ok, bon bah je reviens alors. Je pars pour mieux revenir peut-être. Ouais, voir ok. Ouais, essaye de ne pas te déconnecter, ça sera pratique. Mais sinon, je vais juste déplacer. Ouais, je vais essayer de voir. Tac. Allez, Shtuka, à ton tour. Les allées du direct. Ouais, désolé. Starship Troopers Extermination, oui, ce que disait Lou, c'est que c'est un jeu coop jusqu'à 16 joueurs en escouade de 4, qui est hérité de. Qui est un mode, en fait, quasiment de squad, et développé par OWI, donc les développeurs de squad. Et ça faisait un petit moment qu'il était en. Ça faisait un peu plus d'un an, je crois, qu'il était en accès anticipé, et qui est sorti oui, en 1.0. Oui, c'est ça, en avril-mai 2023, ouais. Et ah oui. Donc un an et demi presque, pratiquement. Bref, et donc voilà, ils sortent 1.0, ils ont rajouté un peu du contenu, des maps, machin. Le problème, c'est que le jeu est toujours aussi chiant au bout de 4-5 heures. Ça n'a pas changé. Avec des problèmes de performance. Enfin, si vous n'avez pas un gros processeur, ça galère parce que dès qu'il y a plus de 10 ennemis à l'écran, ça met le PC à genoux. Et il y a toujours autant de bugs sur les spawns des ennemis qui passent un peu à travers les murs, tout ça, c'est toujours un peu le bordel. Et les modes de jeu qu'ils ont rajoutés, le dernier qu'ils ont rajouté, il me semble que c'était le mode qu'on avait essayé, Estia, là où tu te balades dans des tunnels pour aller faire péter oui, des oui, nids oui. d'arachnid. C'était nul. Et c'était nul, c'était moche. Les bestioles, elles spawnaient au milieu de nulle part, à travers les murs, enfin c'était ridicule. Bref, je pense qu'ils ne savaient plus trop quoi faire de ce projet. Et voilà, donc là, 1.0 ne change rien. Si vous y avez déjà joué pendant l'accès anticipé, ne le relancez pas parce que ça n'a pas évolué. Et pour l'instant, ouais, et les gros problèmes techniques, toujours. Donc c'est surtout ça que les gens lui reprochent. Que les gens en plus, étaient il est passé sur UE5. Et dès le départ. Hein. Ouais. Oui, mais en fait, au départ, c'était l'Early Access. Donc du coup, les gens. Ah, les gens, ils disent OK, bon, voilà, ils l'excusent, quoi. Ils sont du genre. Mais maintenant que c'est en 1.0, non, t'as plus aucune excuse. Par contre, là, ce que je constate, c'est que j'ai sectionné du gameplay PC, mais c'est un mec qui joue à la putain de manette, quoi. Oh, il y a vraiment des gens qui sont complètement fous. Ouais, complètement fous, ouais.
Et bon, bref, donc voilà, Starship Troopers, c'est assez décevant. Nous, quand on avait joué au départ, c'était il y avait un petit quelque chose, ça pouvait être un peu intéressant, mais c'était encore un peu brut de décoffrage. Et le problème, c'est que l'accès anticipé n'a pas vraiment apporté grand-chose. Les modes de jeu qui ont été ajoutés, c'était plus du, comment dire, des rustines qu'autre chose. Pour faire genre, on ajoute du contenu. Mais le gameplay en lui-même n'a pas vraiment bougé et c'est regrettable. Tout à fait. Effectivement. On revient à nous voir dans Loulou. A priori, il n'est pas encore là, mais on va continuer sans lui pour l'instant et on va essayer de le récupérer un peu plus tard. On va passer à quelque chose, justement. C'est plutôt l'inverse, hein. Maintenant, tu vas nous parler de PD3. Ouais, PD3, donc là, bah, récemment, hein, je pense que vous l'avez lu ou pas, mais on a un article qu'a publié nos confrères qui indique que les derniers avis de Steam sur le jeu PD3 se sont améliorés, donc pas vachement améliorés, mais elles se sont améliorées quand même. Donc ça, c'est... Je pense que c'est plutôt une bonne chose. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des jeux qui partent du positif au négatif et après, au bout de quelques mois, c'est toujours aussi naze. Là, non, là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'efforts hein, depuis la sortie. On sait que la sortie a été catastrophique, d'où l'impossibilité de jouer pendant quelques jours, les matchmaking complètement pété et compagnie, ben ça, j'en passe. Aujourd'hui, les avis Steam donnent un peu de chance au futur pour le jeu en fait, et on a même les développeurs qui restent optimistes justement, et donc ils continuent d'écouter les retours de la communauté, et finalement, il est quand même beaucoup, bon, on va pas dire beaucoup mieux, hein, mais il est quand même beaucoup moins naze que lors de sa sortie maintenant. Donc j'ai pu, moi j'ai rejoué, honnêtement si j'ai bien rejoué 6 heures, c'est bien, peut-être je gonfle un peu, mais franchement j'ai joué pas mal de temps, en solo et en coop, donc bon voilà, je vais pas vous cacher qu'en coop c'est toujours beaucoup mieux de jouer à Payday avec ses potes que solo, et j'ai fait, on a essayé de faire tout ce qui était infiltration, mission d'infiltration, donc... Ouais, c'était plus cool. Les nouvelles missions, les nouvelles maps, des DLC et compagnie, franchement, elles sont vraiment bien. Ils ont C'est-à-dire que refait. tu vas les payer si t'as pas si t'as pas la version gold, quoi. Ouais, bah C'est un c'est peu ça, ça ouais. l'intention. Il y a eu des trucs comme ça. Mais franchement, les missions sont cool. Bah, il y a une des missions que j'avais même pas faite moi sur PD2, c'était le truc où, le crack house, là, le truc où on devait refaire de la meth et compagnie. Donc ça, c'était une map du 2. Bon, Ah en oui, je soi, me je rappelle pense de celle-là que dans le 2. ouais, je pense que les développeurs sont malins aussi en disant bon, on va essayer de récupérer encore des joueurs de PD2 en mettant une map du 2 sur le 3. Mais ouais, donc les missions d'infiltration bah, sont plutôt cool à faire en coopération. Donc bah, bien sûr, hein, bien évidemment, on regrette toujours des IA complètement débiles, que ce soit en infiltration ou en phase d'action, on va dire, parce que bah, ils se contentent toujours de foncer sur nous et compagnie, mais il y a quand même eu du mieux en termes un peu de tout, en fait. Ils essayent d'écouter vraiment la commu et puis de s'améliorer. Voilà. Franchement, je vais pas le relancer demain, vous voyez, en me disant, allez, putain, j'ai trop envie d'y rejouer. Franchement, bah, si j'ai rien à faire et puis que j'ai un pote qui me dit, oh, on se fera pas une petite partie, bah ouais, je vais y aller. Franchement, je vais y aller, ça va être cool. Et là, j'attends encore, là, ça va continuer de s'améliorer au fil du temps, je pense, mais il faut pas s'attendre non plus à de grosses grosses améliorations et une révolution future quoi sur le jeu. Après, il peaufine petit à petit. Voilà, c'est peut-être trop tard, on ne sait pas, mais en tout cas là, actuellement, on est à quasiment 10 000 joueurs sur le 3 et 20 000 sur le 2. Donc1000 avant, on joueurs, était à 5 000 et 15 000, donc vous voyez, il y a toujours ces 10 000 d'écart hein, quand même qui font la différence. je crois que tu te trompes d'un facteur 10. Il me semble que Payday c'est plutôt 1000. Payday 3, je veux dire, c'est plutôt 1000 joueurs, pas 10 000. C'est 1 000 joueurs. Ah ouais, non, ouais, c'est des 1 000 Bah, joueurs, pardon. sur Steam, Sur Steam, après, c'était 1 000 joueurs, ouais. ouais.
Ouais, donc t'as un facteur 20 Oui, t'as plutôt. bien fait de me reprendre, effectivement, ouais. Ouais. Mais Donc ouais, il y bon, a toujours voilà. ce gap de joueurs, hein, mais... Ouais. Alors, je Mais sais bon. pas, après... C'est ça qu'on en discutait, hein, du fait que l'infiltration est finale est plutôt pas mal. Mais les gars sont complètement cons, tu leur cours devant, en fait, ils te voient pas parce qu'ils ont. En fait, c'est un certain temps pendant lequel ils doivent te voir pour que ça déclenche le truc. Donc c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui sont complètement ridicules, mais effectivement, sinon ce serait vraiment hyper dur. Là, le fait qu'ils Ouais, et... soient aveugles et sourds, bah oui, ça fait que c'est un peu rigolo parce que tu fais des trucs un peu n'importe quoi et tout ça. Et les C'est caméras qui ça, te mais je... captent pas non plus, enfin voilà quoi. Ouais, après, le peu que j'ai joué en stream, il y a eu des fans qui sont venus me voir en me disant, en disant que c'était cool en fait que je stream le jeu, que, bah, il n'y a plus beaucoup de gens qui streamaient aussi celui-là et tout, et les mecs avaient fait le jeu, l'avaient déjà pensé. Et il me disait qu'il faut vraiment le faire en mode ultra ultra dur en fait pour vraiment donner beaucoup de challenge. Et D'accord. là, ça devenait sûrement plus cohérent déjà en termes de caméra, machin, etc. Et bien sûr, après, plus le challenge est difficile, plus le butin à la fin est gros. Donc ouais, après, en coopération, il ouais, faut vraiment pas hésiter à monter la difficulté pour Oui, avoir du challenge, quoi. Après ça. mais comme pour le 2, en fait, tu peux le faire seulement quand tu as un peu grindé et que tu as monté ton personnage. Parce que du coup, C'est t'as pas ça. les perks, par exemple, pour. Je t'entendais parler sur le stream. Tu disais, ouais, mais là, on peut pas faire ça parce qu'on pourra pas traverser. Il faudrait plutôt avoir la compétence machin qui va permettre de hacker les Ouais, caméras, pour les etc. cams. Donc, Pour les cams, ouais. voilà. Et je pense que c'est un peu comme le 2, effectivement. Mais le problème, ça veut dire qu'il faut quand même beaucoup s'investir pour pouvoir profiter, on va dire, d'un gameplay un peu plus corsé, mais tout en étant sympathique, quoi. Et bon, voilà quoi, c'est. Pourquoi passer à celui-là alors que le 2 est très bien et voilà, c'est toujours cette question quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce qu'en ce qui concerne l'infiltration, honnêtement, c'est pas le point central du jeu, quoi, l'infiltration. Pour faire ça, je vous dis, honnêtement, moi, alors, je joue un PD2, un PD3 en infiltration. Limite, ça m'a, j'en ai reparlé, je sais plus avec qui, mais ça m'a donné envie de réinstaller Hitman, vous voyez? Ouais, bah, c'est avec toi, Estia, que Allez. l'on en parlait. Ouais, Mais tu tout vois, à fait. parce qu'il y a plein de choses de pas logique, en fait. C'est que là, quand on n'a pas de masque, déjà, on peut pas sauter, donc ça, c'est pas, pour moi, c'est pas logique. On peut pas prendre un ennemi par derrière parce qu'on n'a pas de masque, tu vois, ça c'est vraiment con. Je pense qu'ils auraient même dû mettre cet aspect-là à Ah, mais retirer du le coup, fait de. Mais ouais, mais du coup, c'est plus PD, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? et puis aussi, ça aurait été peut-être trop facile, quoi. Genre, tu mets ton masque, tu l'enlèves, etc. Et ça ferait peut-être des trucs vraiment hyper faciles. Non, Peut-être non, mais pour au ça aussi moins qu'ils ont limité, quoi. au moins se mettre derrière un garde et puis peut-être le. Pas le braquer, mais au moins L'assommer, l'assommer, mais sans masque, en fait. Mais... oui. Ouais, je comprends, ouais. Ça, mettez-le, quoi, parce que sinon, après, ouais, C'est voilà, vrai, ils gardent pas. aussi leur identité, donc bon. Ouais. Bon. Voilà. En tout cas, donc c'est un peu moins la cata que à la sortie. Déjà, tu peux enfin lancer des parties, quoi. Et puis ici, il y a moyen de s'amuser quand même, quoi. C'est ça le Ouais, truc. après, est-ce qu'ils ont eu aussi la pression, entre guillemets, du jeu, c'était quoi, le jeu de braquage aussi, qui était totalement foiré, son... Crime Boss, hein. Ouais, Crime Boss. Donc Crime Boss, Ouais. on n'en parle pas, mais en fait, je sais pas si vous avez vu, mais ils ont mis les DLC, tout le tralala, tout gratuit jusque fin d'année, je crois. Ah oui, c'est possible, Parce ouais. que ouais, parce que c'est voilà quoi. Apparemment, on disait que ça allait être mieux de Payday, mais finalement, Payday s'est Ouais. battu, quoi, et essaie Ouais. de rester sur le podium, quoi. Je vais. Ouais, ok. Je vais juste Finalement, vérifier. Crime Boss Leur vraie là. concurrence, ça reste pas des PD2. Hein. Ouais, et c'est vrai, hein. C'est vrai. Là, si par exemple Crime Boss Rocket City qui avait finalement une note plutôt positive au global, sur les dernières notes, ça commence à baisser déjà. Avec 140 joueurs actuellement. Il y a 140 joueurs seulement. Ah ouais, effectivement, il y a 10 fois moins de joueurs sur Crime Boss. Mais ce qui est un peu normal, hein, j'ai envie de dire, puisque c'était vraiment un reskin. Mais ouais. Ouais, c'est bon. Après, l'avantage, c'est qu'il n'était pas très cher et que quand il est sorti sur Steam, ils ont proposé tous les DLC du jeu en même temps, ce qui donnait beaucoup de contenu et tout ça, quoi. Ouais, Donc, son point fort, c'est voilà. son prix, hein. Il est actuellement verbal, bon. Ouais. Bah après, PD3 de base, c'est 30 euros. La version Gold, donc avec les DLC, c'est 50 euros. Ok, c'est plus cher, mais bon, c'est. Voilà, c'est. Et je sais pas combien il est PD2 d'ailleurs. Si vous voulez plutôt jouer à PD2 et que vous ne l'avez pas encore, c'est. Il faut y tout play, PD2, non?
Ah bon, tu crois? Ouais, il me semblait Je qu'il suis était pas passé, s'il te sûr. plaît. Il est à 10 euros. 10 euros sans promotion Ah, spécifique. d'accord. Il y a une version VR d'ailleurs. Et on peut activer la VR, c'est pris en charge. Ah, mais après, si on veut les DLC, par contre, c'est 111 euros. Voilà. Il n'y a pas un truc avec tout. Ça doit être ça, sans doute. Le Infamous Collection. C'est à 111 euros. 112 euros. Ah, vache. Ok. Ouais. Donc voilà. Est-ce que, Loulou, est-ce que tu serais de retour par hasard? Bah, je sais pas, est-ce qu'on m'entend bien là? Non, bof. Bien. Bon, on t'entend bien, en fait, c'est juste qu'on t'entendait bien, jusqu'au bout de quelques mots, ça coupait. Comme si, non, il y avait trop de mots qui sortaient de ta bouche, ta connexion Internet coupait à ce moment-là. Donc on va avoir, D'accord. éventuellement, on va passer à toi, du coup, sur Killing Floor 3, éventuellement, si D'accord. ça te va. Ok. Ouais, on tente, on verra bien, ouais. Eh ben, let's go. Donc du coup, oui, bah, on va parler justement de s'avère frère de Malheureusement, non, ça ne marche pas. Je suis non, désolé, toujours pas. Loulou. Je suis désolé, Ah, Loulou. finaise. Ouais. Bon. T'as bien Bon, vérifié bah, derrière, il n'y a rien qui tourne, rien qui. Oui, hein, j'ai. Bah, sinon, la solution ultime, je vous lâche et je démarre l'ordinateur. Bah écoute, tu peux tenter Je... ça. On va laisser Killing Floor Ok. 3 de côté pour l'instant et Ouais, bah, je vois. on y revient un peu plus tard. On On va va peut-être enchaîner d'accord. avec toi, Estia. Ouais, Je sais pas d'accord. On si. va faire ça. Ouais. Donc Loulou, Si tu. tu nous rejoins plus tard. Je Ok. vais pendant ce temps-là, je vais mettre la vidéo comme ça. On verra pas que ça pète toute l'interface. Et puis voilà. Bon bah à tout de suite Loulou. Hein. Eh bien, donc moi je vais vous parler donc de Stalker 2, puisqu'on a eu récemment des previews de nos amis d'IGN notamment et de GameSpot. Et en fait, ils ont été plutôt saucés par le jeu. Alors, on a retenu que ces deux-là, parce que bon, il y en a plein d'autres hein, qui ont fait des reviews. Mais globalement, ce qui ressort de ça, c'est que bah, les grands journalistes, comme on les appelle, donc les journalistes des gros sites et tout ça, qui sont très consensuels, etc., ont noté que c'était un jeu assez difficile. Du coup, ça, c'est quelque chose qui nous fait pas mal plaisir, parce que ça veut dire que c'est pas un truc genre, vraiment pour enfin très grand public, pour tout le monde, etc. Ils ont conservé leur identité globalement pour Stalker. Et voilà, donc, graphiquement, ils ont trouvé ça plutôt pas mal. En vidéo, on a l'impression que c'est pas ouf. Alors, faut voir s'il n'y a pas un problème de compression. Mais bon, je pense qu'il faudra vraiment voir clavier souris en main. Si ben, comment on sait. Mais en fait, les journalistes ont été assez impressionnés par quelques scènes qu'il y avait dans leur démo. Donc, ils ont pu jouer 2 ou 3 heures. Il y a une scène, sans doute, au début du jeu où on passe dans un genre de champ de coquelicots un peu hallucinogène. Et ils ont été assez impressionnés. Je pense que même si, effectivement, il y a peut-être des textures ou des trucs qui sont pas très beaux, comme ça, la direction artistique, elle, par contre, semble assez réussie globalement. Et donc voilà, ils ont été assez saucés par ça. Voilà, ils nous ont parlé aussi des quêtes, donc des quêtes qui sont contrairement à pas mal de jeux linéaires où tu fais la quête ou tu l'as réussi ou pas, ça va plus ou moins faire la même chose. Là, c'est vraiment en fonction de ta décision dans la quête que ça va en déclencher une ou déclencher l'autre, qui sera complètement opposée quoi. Donc voilà, il y aura toujours les factions, les différentes factions. Apparemment, pour bah, ceux qui ont fait les premiers reconnaîtront les différentes factions qui se mènent des guerres entre eux, etc. quoi. Et donc, c'est toutes ces histoires de quêtes, ça me mettra soit vers l'un des camps, soit vers l'autre, etc. Et donc, voilà, donc ils ont bien aimé ça, mais globalement, en fait, ce qui en ressort, c'est que ça reste un jeu avec des mécaniques old school. Donc, chez certains comme GameSpot par exemple, il s'était plutôt tourné négativement parce que je pense que c'est quelqu'un qui connaît pas spécialement Stalker. Voilà, c'est peut-être un journaliste qui est pas non plus très axé FPS. Et donc du coup, lui, par exemple, il s'est fait défoncer la rondelle 5 ou 6 fois d'affilée sur un camp avec des soldats ennemis. Voilà. Bon, après celui d'IGN, par exemple, il a noté que c'était difficile, mais il n'avait pas spécialement enfin, relevé une difficulté si énorme que ça. Donc, je pense effectivement
Stalker 2 sera d'un niveau, on va dire, pour les fans de la licence, sera d'un niveau au moins équivalent à celui du premier, quoi. En tout cas, c'est ce qui semble sortir de leur review, quoi. Voilà, globalement. Donc, moi, je suis plutôt chaud. Je m'attendais pas tant que ça, en fait, à. Moi, je m'attendais que ce soit justement beaucoup plus consensuel, le jeu. Donc, plus facile d'accès, avec des mécaniques peut-être modernes, mais quand je dis moderne, plus sur la manière d'amener les choses. Donc là, c'est assez quand même assez brut de décoffrage. Ce qui, à mon avis, est plutôt positif. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Matmoth. Pardon, j'étais mute. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose, du coup, parce que je trouve que malgré les années de leur développement et compagnie, malgré le fait que aussi. Pas malgré que, mais. En fait, le Stalker est vieux. C'est vrai. Et le premier a pris beaucoup d'âge et compagnie. Et je trouve que là, même après toutes ces années, ils ont réussi. À ce que je peux voir, à garder vraiment cette identité et justement ce côté old school qui ressort de nombreuses années après, je trouve que c'est bien. Au moins, ok, c'est un renouveau parce que c'est une suite, c'est un 2 et compagnie, mais ils gardent quand même cette identité de Stalker et au moins, c'est pas copié d'autres jeux et puis d'autres nouveautés que proposent les autres AAA ou quoi que ce soit. Alors, ok, est-ce que. Après, on voit pas tout, mais. Après, ouais, j'ai peut-être peur que ça soit un Stalker 1, mais Juste en en plus bonne beau, qualité, quoi. on va dire. Ouais. Bah, Tu vois, moi, ouais. j'ai juste peur de ça. Mais là, moi, quand je vois les images avec ouais, les champs de coquelicots, les gunfights, moi, la DA et tout, franchement, je trouve ça super joli. La difficulté du jeu, bah ouais, moi, je trouve ça cool. Honnêtement, si le jeu est dur, bah tant mieux, en fait, c'est bien. Parce que on en a marre aussi, justement, de mettre des jeux directement difficiles parce que. Parce que bah, c'est trop facile, ça prend tout le monde par la main, et puis etc. Donc non, moi je suis comme toi, je suis plutôt satisfait de voir ce côté old school et ce côté c'est Stalker, quoi. Donc Ouais. pour moi c'est oui. Mais ça, je pense que même la communauté Naufrax de manière générale, c'est un peu le même ressenti, quoi. La plupart ont fait les trois premiers jeux à l'époque, enfin à leur sortie, et il y en a plein qui, enfin, peut-être pas plein, mais il y en a quelques-uns qui sont farcis les modes pendant des centaines d'heures et qui, je pense, ne seront pas forcément. Enfin, je pense que la plupart de ceux qui ont fait les mods et tout ça s'attendent à ce que ce soit très décevant pour eux. Mais finalement, je pense que ça va vraiment s'approcher de Stalker. Et voilà. Enfin, j'ai pas grand-chose de plus à dire que ça. Après, ce que dit Xobar, c'est un jeu de survie, heureusement qu'il y a du challenge. Moi, je suis d'accord avec lui. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut du challenge. Après, voilà, ça va être un jeu qu'on ne terminera pas en 8 heures, hein, ça c'est sûr. Bah, Bah j'espère. ouais, Mais j'espère. Ouais. Après, tu vois, je sais plus combien j'ai fait d'heures sur les premiers Stalker, mais c'est ouais, une vingtaine d'heures minimum, 40 heures peut-être sur un des épisodes, je sais plus. Mais c'est pas non plus des dizaines et des dizaines d'heures, quoi. Belzane, tu trouves que ça n'a pas l'air si beau que ça? Bah, je pense que la Ouais, mais. direction artistique est réussie et elle est jolie, mais que dans le détail, si tu t'approches, peut-être que c'est pas si beau que ça, effectivement. Alors, moi, Mais ce serait honnêtement, probable. je préfère avoir un jeu qui est pas si beau, Ouais. mais qui soit super opti déjà dès sa sortie pour pas se faire Ouais. Ouais. défoncer parce que voilà, il est attendu. Donc, Alors ça, on sait pas, mais honnêtement. par exemple, pour les. Ils n'ont pas parlé d'optimisation ni des bugs du tout dans les previews. Donc ça, on peut pas trop savoir. S'ils n'en parlent pas du tout des bugs, c'est que a priori ils n'ont pas rencontré, sinon je pense qu'ils l'auraient évoqué. Pour ce qui est de l'optimisation, ils n'ont pas parlé non plus. Mais alors je sais pas dans quelles conditions ont été faits les tests. Soit ils ont envoyé une build, j'en sais rien. Mais comme il y avait vraiment beaucoup beaucoup de journaux à le faire, ou alors ils ont été invités, dans ce cas-là c'est dans un univers un peu contrôlé. Mais au niveau de l'optimisation, il faut se dire quand même que sur Xbox, alors je sais pas laquelle, mais sur Xbox ce sera 30 FPS. Donc ça veut dire quand même que c'est pas super super bien optimisé, quoi. Faut pas, voilà. Ça donne un petit quand même une petite indication sur ce qu'on peut s'attendre, quoi. Voilà, donc c'est du E5, c'est du E5, mais l'E5, ça demande pas mal de boulot quand même pour que ça tourne bien, quoi.
En open world, effectivement, comme tu dis, Xobar. Donc, il y a des. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous dit Gotax? Il nous dit que il a un peu peur d'avoir du déjà vu. Alors, en fait, c'est à la fois une peur, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui sont contents, qui vont être contents en fait de revenir dans cet univers-là qu'ils ont connu avec Stalker. Il y a quand même un gap hein, au niveau des graphismes, il faut pas se mentir. Même avec, je pense, les mods, je pense quand même il y a une grosse différence. Donc, peut-être du déjà vu, mais genre de un bon déjà vu, quoi. Plus t'es nostalgique du déjà vu. Donc, voilà, faut avoir ça. Et puis c'est surtout qu'ils vont aussi prendre des joueurs qui n'ont jamais fait Oui, les il y a ça premiers. aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, puisque là, le but, c'est quand même. Après, tu vois, les journalistes d'IGN, là, ni l'un ni l'autre, enfin, en tout cas, ni celui d'IGN, ni celui de GameSpot, n'avaient joué au premier Stalker. Celui d'IGN a dit, globalement, oui, je comprends totalement. Je comprends totalement pourquoi on me conseille de jouer à Stalker. Je suis sûr que je vais beaucoup aimer parce que c'est mon genre de jeu, etc. Et oui, on a l'exemple parfait. Hein, en tout cas, tu n'as jamais joué à Stalker, par exemple. Donc, mais je suis sûr que voilà, c'est une entrée en matière qui pourra plaire également. Moi, j'ai peur des cutscenes. Parce que là, Ah oui. dans les vidéos qu'ils ont mis, il y en a plein. Il me C'est semble qu'il n'y vrai. en avait pas dans les premiers. Et moi, je Si, déteste perdre le contrôle de mon perso. Il y en avait? Ouais. Il y en avait, mais très peu. Hein. Là, il y en a quand même vachement. Il y a des séquences, ça ressemble limite à des trucs de QTE. Je me suis cru dans un métro. Et métro, moi, je pouvais pas à cause de ça. Ah oui, d'accord. Bah, métro, c'était le très linéaire hein, quand même. Là, c'est quand même principalement l'open world. Donc, ouais, faudra voir. Effectivement. Après, Ah, bah écoute. ça reste Ouais. un jeu solo et où il y a beaucoup de narration. Donc à partir de là, il y a beaucoup de jeux solo avec de la narration où tu as beaucoup de cutscenes, de cinématiques et compagnie justement Ouais, pour. mais regarde Half-Life. Tu perds pas le Oui. contrôle de ton personnage. Ouais, c'est T'es vrai. au milieu du truc et tout. En fait, moi, je préfère 1000 fois ça que tous Ouais, ces je comprends jeux ce que tu veux qui. dire. Ils essayent de jouer au cinématographe, tu sais, avec des plans et machin. Et en fait, moi, je trouve ça relou. Il y a des jeux dans lesquels je peux comprendre, ça peut s'y prêter. Genre les Resident Evil, ceux qui sont à la troisième personne, là, qui sont presque des films d'horreur dans lesquels tu fais ton aventure. Là, dans un FPS qui est très axé sur l'immersion et sur la survie dans un environnement hostile, en fait, te retrouver comme ça en vue extérieure avec des plans où tu te bats au couteau avec un mec, tu vois, what? Bah après, là, j'ai l'impression que les cutscenes sont en vue subjective. Oui, Je pense. j'avais du mal à savoir si c'était vue subjective ou pas. Je pense, Mais ouais. l'un dans l'autre, enfin moi, ça me rebute un petit peu. Mais après, bon, c'est peut-être être un peu pénible pour pas grand-chose. On verra comment c'est effectivement, hein, mais je pense que la narration aura quand même une part importante. Mais encore une fois, ça se passera aussi par les quêtes, quoi. D'après ce qu'ont vu les journalistes, c'est ça, c'est des embranchements, mais qui vont vraiment vers des chemins séparés. Voilà, globalement. Je vois que ça fait réagir hein, sur le chat. Effectivement, Stalker, effectivement, est très, très attendu. J'espère que ce sera une réussite. Et on avait dit qu'on ferait sans doute une émission spéciale. Pour la sortie du jeu, on essaiera de jouer chacun à Stalker 2 pour faire une émission pour en parler en détail. Parce que bon, on va pas se mentir, c'est quand même un événement une fois tous les 10 ans, quoi. Donc, c'est. Voilà, c'est. Bon, faut en parler, quoi. Ok. Eh bien, on va passer à la suite. Est-ce que on va pouvoir retenter à. Loulou, tu es revenu parmi nous et tu as ta cam, donc il faut que je Ouais. redécale les noms, mais il n'y a aucun souci. Alors vas-y, Ouais, Loulou. désolé. Non, non, aucun Alors, souci. Allez, déjà, vas-y. Oui. ça, d'accord. Eh ben Donc, déjà, oui, ça Prosper, bug. ouais, je vais. Je... C'est encore pire que tout à l'heure. Non. C'est pas vrai, non. Au pire, recoupe ta cam pour vérifier. Et puis, essaye comme ça. On va. D'accord. Ouais.
Ok. Donc tu nous parlais de quoi déjà? De King Floor 3. De King Floor 3, oui. Alors, on parlait du making-of qui avait été diffusé sur PC Gamer. Et donc, du coup, voilà, on en a appris un petit peu plus sur la façon dont a été construit le jeu. Donc, surtout concernant donc les différents types d'ennemis, on en apprend sur leurs diverses capacités. Également aussi que sur le gameplay maintenant, il joue beaucoup plus sur la verticalité pour permettre de meilleurs déplacements au niveau du joueur. Et enfin, de ce qu'on en voit aussi, ils y mettent aussi un accent particulier sur tout ce qui est le gunfeel pour pouvoir, on va dire, proposer des armes assez puissantes afin que bah, ça soit jouissif, on va dire, pour abattre les hordes de monstres, on va dire. On peut dire ça comme ça. Donc, pour le moment, bon, ça s'annonce plutôt bien dans l'ensemble. À voir dans les faits, après ce qui est dit et après ce qui est dans l'application. Mais c'est vrai que ça donne plutôt envie. Hein, à voir, est-ce que ça sera simplement, comme diraient certains, une sorte de mise à jour graphique, ou est-ce que vraiment ils vont vraiment apporter quelque chose de nouveau, on va dire, au gameplay. Voilà. Un des petits détails qu'il donnait, c'était, il me semble, qu'il voulait apporter un petit peu de vitesse, donc un peu plus vers le fast FPS, il me semble. Et il y a des gens qui reprochaient ça justement en commentaire. Je sais pas, moi j'ai pas joué aux deux, j'ai joué un petit peu au premier. Et donc du coup, je sais pas, moi ça me parle pas trop. Enfin, pour moi, je vois plutôt ça. Cool, de manière de enfin d'apporter de la mobilité, d'apporter de la verticalité, tout ça. Je sais Sure. pas si qui a joué à Killing Floor. Moi j'ai Moi, pas mal joué. alors. J'ai pas mal joué, ouais. Bon, après, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée, les fast FPS, les glissades et compagnie. Hein. Comme dit Xobar, ça reste du mode horde. Donc, mais bon, après, le fait que ça soit plus vif, bah limite, tant mieux en fait, parce que quand on a plein à ton cul, est-ce que ça peut être cool de faire des glissades au niveau des portes et compagnie? Bon, moi, je trouve ça plutôt sympa, ouais. Parce que de toute façon, s'il l'avait pas fait, de toute façon, t'aurais toujours eu des mecs qui auraient critiqué en disant. Ah, ça va pas aussi vite, ou c'est comme avant, tu vois. Donc, tu auras toujours des mecs qui Oui, vont bien sûr. critiquer si la feature est là ou pas. Donc, bon, franchement, ça change rien, ça restera en mode horde. Et puis, au Donc toi, final, tu t'es pas vas. trop chaud, toi. Bon, franchement, je m'en fous. Honnêtement, que ce soit fast FPS ou pas, la Ouais. finalité, tu vois, ça va être de buter tout le monde, quoi. Donc, bon. Ouais. Après, ils étaient quand même assez forts sur le gunfeel. Donc, et là, ils ont l'air de toujours bien prendre ça en compte. Bon, il y aura des modes à mettre sur, enfin des accessoires à mettre sur les armes. Bon, ils parlent de ça comme si c'était une révolution, mais bon, enfin, tous les autres jeux le font, hein. Mais ouais, je sais pas trop. Moi ça me j'étais vraiment pas chaud du tout lors de l'annonce. Là, quand je vois les images, ça a l'air un peu mieux, mais c'est pas le truc qui me tente de ouf, quoi. Mais Bah, ça va rien bon, révolutionner en fait. Hein. Après, faut pas se leurrer. ouais. Voilà quoi. Mais Est-ce qu'il y a ils ont du. leur communauté. Ouais. Je pense qu'il va vendre. Après, c'est pas de la daube, hein, on sait pas. Hein, mais alors, ok, c'est beau. Hein, ouais, il y a des Oui, voilà, c'est cosmétiques et ça. compagnie. Faut voir ce que va nous proposer. Il faut voir les boss, à quoi ils vont ressembler. Il faut voir les niveaux, comment ils vont être faits. Ouais. Bah, ils ont promis effectivement des nouveaux ennemis, mais il y a aussi beaucoup d'ennemis qui existaient déjà, qui sont des redites ou alors des petites modifs, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, moi, il y a une annonce qu'ils ont dit là, enfin une annonce, une modification qu'ils voulaient apporter au gameplay, c'est qu'ils disaient dans la vidéo que le 2 et le premier aussi, c'était très horizontal finalement. Enfin, c'est-à-dire que tu avais toutes les têtes des mecs au même niveau. Oui, c'est ça, effectivement. Et du coup, tu cliquais sur les headshots les uns après les autres. Et là, ils voulaient changer un peu ça, notamment le crawler, là, l'espèce d'ennemi qui rampe par terre. Dans le 2, déjà, il voulait qu'il puisse ramper au plafond, mais finalement, il l'avait pas fait, je pense, parce que ça marchait pas. Et donc, là, il parlait de mettre ce genre de choses et d'avoir des ennemis aussi avec différentes tailles, autres que les Skrake et les Fleshbound, pour éviter d'avoir toutes les têtes qui s'alignent en permanence.
Donc ça aurait été sympa, ça peut être sympa, mais en fait, quand tu vois les images là de gameplay, je trouve que ça se traduit pas en fait dans ce qu'ils montrent. Et j'ai l'impression de voir le 2, avec tu campes dans un couloir en fait, et une fois que tu as compris le jeu, tu connais les spots sur la map où il faut camper pour attendre les vagues de monstres, et tu tires dans un tunnel. Quand ça part en sucette, mais sinon, en fait, le gameplay se résumait à ça, et donc, bon, c'est rigolo, mais voilà. Et en fait, tout le côté fast FPS, on va mettre des glissades, on va faire en sorte que tu puisses un peu plus courir, te déplacer. Le problème, c'est que ça va servir à rien. Si le jeu te donne pas des objectifs pour parcourir un peu plus les maps, aller un peu plus vers l'avant, etc., Ouais. avoir plus de possibilités de mouvement, en fait, tu t'en fous, tu vas rester. Dans ton bastion, à essayer de pas te faire courir dessus par les monstres et à bloquer ton couloir, et voilà. Ouais, Donc je sais pas, c'est ça le ressemble risque, vachement aux hein, deux. effectivement. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai qu'il parle pas du tout hein, de rajouter enfin, des objectifs ou des trucs comme ça, donc c'est vrai que c'est un peu le risque d'avoir un truc qui. Il y a quelqu'un qui l'avait dit aussi en commentaire de Tanius, c'est que dans le 2, le système de classe, c'était pète-couille, je suis assez d'accord. Parce que du coup, si tu voulais, quand tu jouais une classe, il fallait obligatoirement que tu joues, pratiquement obligatoirement que tu joues avec les armes de la classe en question. Donc déjà, ça te Ouais. limitait dans ce que tu pouvais faire. Parce que sinon, tu avais trop de pénalités et tu devenais un gros boulet dans les difficultés supérieures. Et aussi, moi, j'ai joué, je sais pas, 70 heures, j'ai une classe niveau 25. Parce qu'en fait, le temps pour grind, pour arriver au niveau max, c'était mais extrêmement long. Et ça, c'était vraiment chiant. Parce que t'as très vite compris comment le jeu marche, mais tu peux pas aller dans les niveaux de difficulté supérieurs tant que t'as pas un certain nombre de niveaux. Sinon, tu te fais juste rouler dessus, tu fais pas assez de dégâts, voilà. Et donc ça, s'ils répètent la même connerie aussi, ça va être non directement. Ouais, bah oui. Effectivement. Très bien. Très bien pour King Floor 3 qui. Ça nous fait parler, même si effectivement, je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont attirés, notamment à cause du fait que on voit pas ce qu'ils Déjà vu. proposent de mieux. Ouais. Déjà vous, effectivement. On va enchaîner sur quelque chose, effectivement, il y a pareil, un peu pareil que King Floor 3, il y a des gens qui se demandent pourquoi une suite, même s'il y en a qui l'attendent, Matmoette. On a eu une cinématique pour Subnautica 2. Bon, juste une cinématique un peu plus classique, hein, sans aucun gameplay, juste une cinématique qui nous laisse imaginer des petites choses quand même. Déjà, le fait de ne plus se retrouver tout seul sur ce troisième opus, ou plutôt Subnautica 2, parce que c'est vrai que le Bello Zero était plus comment on peut appeler ça, une extension, on va dire. Un spin-off. Spin-off, ouais, un spin-off, voilà, du premier. Donc là, ouais, bon, qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit que le mec part dans les tréfonds, les abysses, là, et il rencontre quelqu'un qui va dire: ne t'inquiète pas, je suis là, je vais venir te sauver. Donc voilà, ok, on pourra jouer en coopération. Donc ça, c'est confirmé, hein, parce que sur la page de Steam qui est maintenant disponible, on peut voir que le coopératif est écrit dessus. Et après, bah, ce qui a fait aussi marcher les Subnautica, c'est les fameux Léviathans. Donc on en voit un gros là, qui apparaît à la fin de la vidéo, pour dire ok, il y aura des gros monstres avec tout plein de couleurs. C'est chouette, parce que moi j'ai vraiment aimé, j'ai passé énormément de temps sur Subnautica. Je connaissais pas du tout, moi, et quand c'est sorti, j'ai un pote, il m'a dit vas-y, achète-le. Que j'ai fait pas mal de jeux de survie à un moment donné dans ma vie. Ouais. Je suis très vieux, C'est tu pas sais. fini, ça. Et T'es toujours un peu dans cette période. ouais, voilà. Et Non, ça me fait rire, mais non, ouais, vraiment, j'ai vraiment apprécié le fait de faire ce jeu-là, même en solo. Donc, moi, franchement, je suis plutôt optimiste. Il faut voir après, je pense, avec si c'est pas. J'ai pas envie qu'il se soit trop concentré sur le fait d'ajouter de la coop. Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais est-ce que. Même si tu le fais en solo, ça sera bien quand même.
J'ai pas envie qu'ils mettent que des trucs à faire qu'à deux, en fait, qu'à deux, à trois, à quatre. Et est-ce que justement ça va pas casser, ça va pas casser cette difficulté que tu avais parfois quand tu étais tout seul, et là maintenant d'être quatre, est-ce que ça va changer, ça va changer des choses après avoir ça a double tranchant. Ouais. C'est à double tranchant, hein. Ça peut être comme, comme là, sur n'importe quel jeu de survie, hein. Là je pense à Sons of the Forest où tu avais justement le mec qui en avait rien à foutre d'aller explorer et puis qui était là pour faire sa maison, donc tu vois le mec qui fait sa maison et puis il y avait un autre joueur qui allait explorer, donc là je pense que ça va faire, on va faire un peu la même chose. Et voilà quoi. Mais est-ce que en exploration tu vas pas arriver devant une porte en disant bah il faut être deux ou il faut que ton autre joueur soit avec toi pour appuyer sur une porte, tu vois? Ouais, wow. Je sais pas. Est-ce qu'ils vont apporter, est-ce qu'ils vont apporter... Bah, justement, non, voilà. Ouais. Non, voilà. Alors après, au niveau de la faune, là, rien que dans la vidéo, on retrouve des silhouettes de poissons qu'on connaît bien, hein, dans les épisodes précédents. Après, ouais, il sera certainement plus joli. Après, plus. Ça sera un lieu plus simple long. Aussi. Je sais plus. Ouais. C'est, normalement, c'est ça, ouais. Normalement, c'est ça. Mais. Ouais, non, je sais que ça fait pas mal réagir, hein, parce que, alors est-ce qu'il était attendu, je ne sais pas, mais un 2, ouais, franchement, pourquoi pas, parce que franchement, les amateurs de jeux de survie, je pense qu'ils ont tous apprécié ce Subnautica. Et il y a des gens aussi qui ont beaucoup aimé faire Subnautica, mais en VR, parce qu'il y a un mode VR, est-ce qu'il est natif? J'ai un gros doute maintenant, mais en tout cas le mode VR, alors s'il n'est pas natif, en tout cas il est extrêmement bien fait, ce qui fait que l'expérience est très très bonne apparemment. Donc il y en a qui se demandent si le 2 ne sera pas natif en VR dès la sortie, parce que ça s'y prêterait vraiment bien aussi. Et voilà, avec un gros PC, ça peut être vraiment sympa. Les gens qui avaient beaucoup apprécié pour l'ambiance horrifique, qui passe encore mieux en VR, évidemment, parce que là on est paumé, vraiment, c'est comment, il y a une dimension supplémentaire, hein, puisqu'il y a le haut dessus et le dessous, donc voilà, ça peut faire. Ah ouais, non, mais moi j'ai vraiment eu des gros sursauts et des gros flips. C'est bidon, hein, mais voilà, vous allez explorer des zones, même dans les profondeurs, hein, dès que vous débloquez des vaisseaux pour aller plus profond. Honnêtement, hein, quand il y a un truc qui arrive derrière vous et que vous l'entendez pas et qui vous chope, franchement, ça fait drôle, quoi. Mais ils ont vraiment la sophobie, je crois, la peur des profondeurs. Mais après, j'ai pas peur, hein, des profondeurs, mais vraiment ce fait d'avoir les monstres comme ça, ils ont réussi leur coup, hein, là-dessus, c'était vraiment cool. Donc ouais, bon, jeu de survie qu'on attend en 2025. Ouais. En accès anticipé. Comme tu as bien précisé de me le dire sur Discord, j'avais noté début d'année, mais non, en fait, on ne sait pas du tout si ça va arriver début d'année, milieu d'année ou fin d'année 2025. Effectivement. Et 2025, de manière générale. Donc, voilà. Ça peut être encore dans un an, finalement. En tout cas, ça sortira avant Arma 4, c'est sûr. Ouais, effectivement. quelque chose qui sortira peut-être pas avant Arma 4 finalement, même s'ils annoncent le contraire, c'est Squadron 42. Alors, on n'a pas fait la news encore pour l'instant parce qu'on a traité plein d'autres choses avant et qu'il fallait un petit peu de temps pour processer. Voilà, Squadron 42. Bon, globalement, c'est vrai qu'on se moque beaucoup, hein, de Chris Roberts, on se moque beaucoup de Star Citizen et donc de Squadron 42. Et le truc, c'est que là, ils ont proposé une séquence de gameplay d'une heure et quart de Squadron 42, donc c'est tout, le tout début, c'est tout le début plutôt que le tout début, même si ça marche aussi, puisqu'ils annoncent entre, je ne sais plus, Shuka, c'est toi qui as écrit, entre 20 et 30 heures ou entre 30 et 40 heures de... J'en ai écrit. C'est toi qui as marqué ça. C'est toi qui as partagé les vidéos, monteur. J'ai partagé la vidéo, mais j'ai pas écrit la durée du jeu. Moi, j'ai partagé la vidéo où il y a le crash. Ah oui, oui, il y a le crash. Et bon, il y a eu un crash pendant la présentation. Après,
Bah, franchement, moi, le crash, en vrai, bon, on s'en fiche un peu, quoi. Ah, ça la fout mal, quand même. Ça la fout mal, mais je sais pas combien de temps que c'est en développement. Ils ont dit quand, en début d'année, que c'était, ou fin d'année dernière, que c'était feature complete. Oui, c'est feature complete, mais feature complete, ça veut pas dire qu'il y a pas de bug. Oui, oui, mais que maintenant, il fallait peaufiner. Ouais, et que peaufiner. Dans la première heure de jeu, il y a un crash. Bah, il y a eu un crash, effectivement. Ça pique quand même. Franchement, alors ils annoncent donc la sortie de Squadron 42 en 2026. Donc, ça veut dire que ils s'attendent encore à bosser 2 ans dessus, parce qu'on va se dire que ce sera plutôt fin 2026. Donc, ils ont encore 2 ans dessus pour résoudre les bugs. Et surtout, alors moi j'ai regardé la vidéo en entier. Alors, elle est une heure et quart. Alors, c'est pas une cutscene au sens où vous l'entendez, parce que les cutscenes. Ça cut, en fait, ce qui cut, c'est les moments de gameplay. Parce qu'il y a très peu de moments de gameplay, et tout le reste, c'est de la cinématique. Alors, ok, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Enfin, il y a une réalisation, il y a... Voilà, c'est un film, en fait. C'est un film, et c'est entrecoupé de petites phases de gameplay. Voilà. Après, faut gameplay, pas se mentir. Gameplay, entre guillemets. Oui, entrecoupé, oui, parce que c'est pas non plus... Là, c'est toute la partie tuto, on va dire, et il n'y a pas vraiment beaucoup de gameplay. Voilà. Là, je vous ai montré, effectivement, c'est plutôt la fin où on est en vue FPS, mais il y a une partie, en plus, on est dans des tourelles où le gars est dans des tourelles et il tire sur ouais, des... C'est ce qui dit Nio. Ouais, effectivement. Bah, ils abusent avec le crash. Moi, je trouve que vous êtes un peu difficile, vous êtes un peu dur avec le pauvre Chris Roberts. Ce n'est qu'un jeu en alpha. Enfin, quand même. Voilà. Non, mais alors plus sérieusement, s'ils annoncent une sortie 2026, il y a un crash. Bon, ok, ça fait rigoler, mais c'est pas. Voilà, il n'y a pas de quoi non plus se moquer trop, quoi. Moi, je trouve que. Mais quand est-ce qu'ils avaient annoncé 2024 aussi ? Non, mais tous les ans, ils annonçaient que c'était avant. Enfin, voilà. Et un soft lock, apparemment. Ah, ben, j'ai pas suivi. Hein. Désolé, on n'a pas regardé. On n'a pas regardé. Mais dans la séquence, donc. La vidéo officielle qui fait du début à la fin du gameplay, donc je pense que ça doit pas être celle qui a été présentée, mais c'est une autre. Parce que, quand même, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pas montré une vidéo de gameplay, c'est un mec qui jouait vraiment. Et donc ça veut dire qu'ils ont essayé de faire quelque chose. C'est pas. Il y a quand même une intention derrière de montrer, regardez, le jeu il est vraiment jouable, c'est pas une vidéo de gameplay. Donc voilà, ils ont pris un risque, bah, ils se sont plantés sur un moment, mais bon, je veux dire, on peut leur pardonner ça par rapport à tout le reste. Je pense que. Il y a d'autres sujets sur lesquels on peut critiquer. Là, par exemple, dans la vidéo officielle, entre guillemets, bah, il y a pas mal de petits freezes, par exemple. Ce qui, bah, ça fait un peu tâche, quoi. Il y a un moment aussi, les ennemis, ils spawnent. En fait, c'est une scène, c'est en cinématique en plus. On voit des différents plans. Et à un moment, en fait, on revient sur le plan à l'intérieur du vaisseau ennemi. Et les mecs, on voit que c'est la fin du moment où ils spawnent, en fait, où ils apparaissent avant de parler, avant de faire leur truc. C'est assez étrange d'avoir laissé ça dans la vidéo, mais bon. Mais sinon, c'est relativement impressionnant. Enfin, quand je dis relativement, c'est très impressionnant visuellement, même au niveau direction artistique et tout ça. Il y a un boulot de malade. C'est quand même très beau. Derrière, bah, c'est un jeu solo, quoi. Je veux dire, c'est en fait. Le truc, c'est qu'on se demande pourquoi ils mettent autant de thunes là-dedans, quoi. Bah, pour payer les acteurs, tu vois, là, il y a Gary Oldman. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça fait 10 ans voilà. Qu'ils sont dessus, ouais. Ouais. Et donc, je pense qu'ils ont mis énormément d'argent pour ça, pour le casting. Il va sortir, Gary Oldman sera mort, quoi. Ah, t'imagines ouais. Ah, c'est non, possible, mais hein. C'est ouf, hein. Mais je pense que Chris Roberts, il voulait refaire un film, parce qu'il me semble qu'il avait fait un film de SF de merde sur Wing Commander ou un truc comme ça. Probable, ouais. Et donc Commander, là, il y avait des séquences en FMV, je crois. Et donc là, il veut refaire un film. Il a son casting, ses acteurs, machin. Et voilà, c'est pour ça que ça, y a pas de gameplay là. Non, enfin, bah en fait, la sur séquence de tourelle là, c'est une tristesse. Il y a même de l'autolock, c'est-à-dire que tu dois même pas toi-même anticiper la direction du vaisseau sur lequel tu tires. Ça autolock et tes lasers, ils vont automatiquement sur le machin que tu vises. C'est génial. Ouais, après, je pense que c'est le tout début. Pour avoir manié un tout petit peu certains vaisseaux de Star Citizen, c'est pas des trucs automatiques et tout ça, quoi. Donc c'est peut-être aussi. Ouais, mais même parce que c'est deux jeux différents.
Star Citizen, je pense, est beaucoup plus simu. Ouais, Squadron 42, j'imagine que c'est un peu plus un truc casu, une porte d'entrée dans leur univers et machin. Mais en fait, ou alors c'est peut-être progressif, hein. Peut-être qu'au début c'est un peu. Ouais. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, ouais. Dans le chat, si vous êtes optimiste, mettez plus un dans le chat pour ceux qui sont optimistes, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont optimistes, mettez moins 1000 si vous êtes négatif. si vous êtes pessimiste, mettez moins 1000, effectivement. Loulou, il est optimiste, c'est ouf. Plus 1000, d'accord. Le cours vient sûrement de la gestion. Le cours, le problème, ouais, c'est là. C'est effectivement ça. Il y a un gros problème de management. Et ça, tout le monde le dit. Chris Roberts, il ne sait pas gérer l'argent, en fait. Il ne sait pas gérer, il sait pas gérer le projet, tout simplement. Et il a une bonne idée de base. Hein. C'est juste que quand il arrive dans le bureau et qu'il dit « Ah tiens, il faudrait rajouter ça et tout ça », les gens, ils disaient « Ok, d'accord, on va le faire, machin. » Et c'est pour ça que ça a traîné. Et ça ne me fait pas si longtemps que ça arrête de traîner, en fait. Globalement, depuis, je crois, un an ou deux, ils réussissent à suivre un petit peu plus leur roadmap, parce que déjà, il n'y en avait pas avant. Et c'est pas Chris Roberts, il me semble, qui gère directement le projet. Il y a quelqu'un, en fait, sous lui, et notamment pour toute la partie technique. Je connais quelqu'un qui a bossé dans une société... De Cloud Imperium Games, donc le studio qui développe Star Citizen, et il disait qu'au niveau technique, depuis l'arrivée, alors je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un Canadien qui a un nom bien franchouillard, qui s'occupe de la technique, et c'est depuis un an ou deux que ça avance vraiment, quoi. Mais le problème, c'est que y a plein de trucs qu'ils ont recommencé de zéro plein de fois, en fait. Parce que le mec, Chris Roberts, il avait une idée, il voulait faire « Tiens, on fait ça ». Et puis, 6 mois plus tard, il dit « Ah, en fait, il faudrait faire ça, machin ». Puis du coup, il n'y a plus rien qui marchait. Et ça repartait à zéro, quoi. Donc là, pour Squadron 42, globalement, moi, j'ai surtout peur de l'optimisation. Je pense qu'il faut qu'il fasse un boulot de malade pour que ça fonctionne. Mais derrière, je suis assez confiant sur, par exemple, le scénario. Ce sera un scénario tout à fait potable, quoi, un truc tout à fait correct en science-fiction. Au niveau des visuels, je trouve que la direction artistique est quand même assez réussie. Et puis derrière, le gameplay, ce sera du piou-piou. Les flingues, moi je trouve que c'est pas si mal. Il y a une équipe dédiée FPS et je pense que c'est des vrais fans de FPS, donc ça c'est positif. On avait vu d'ailleurs des vidéos spécifiquement sur le FPS et ils disaient des trucs intéressants et intelligents, donc voilà. Est-ce qu'on pourra y jouer dans bonnes conditions en 2026? C'est probable. Peut-être qu'on aura aussi des nouvelles générations de cartes graphiques qui feront tourner donc un vieux moteur, puisque maintenant c'est un vieux moteur sur lequel tourne Star Citizen et Squadron 42, donc peut-être que ça passera crème, parce que nos cartes graphiques ce seront des monstres comparés à ce qu'il y a encore aujourd'hui. Je sais pas si ça se trouve, non, mais les dernières générations de créa graphiques ont pas montré ça, en tout cas à part la 4090. Ouais, mais justement avec la série des 5000, est-ce qu'on va pas passer un gap, tu vois? Je sais pas, peut-être en termes de tarifs. Voilà. Benoît Beauséjour, merci Nio. Effectivement, quand je dis franchouillard, c'est parce que ça fait français, mais c'est typiquement canadien. Ouais. Les 5090 n'ont pas l'air beaucoup plus puissantes hors RTX, avec ce qui est un peu dommage, effectivement, ouais. Et conso. Il y a commencé à y avoir des leaks là, sur les specs de certaines cartes et tout, et en fait, apparemment, c'est pas beaucoup plus puissant que ce qu'il y a maintenant. Donc, après, il n'y a pas de benchmark encore, hein. On verra bien. Alors, bien sûr, évidemment, surtout qu'elles sont prévues premier trimestre 2025. Enfin, c'est des rumeurs, quoi. Donc, c'est même pas des annonces officielles. Bah ça, ils ont dit qu'ils allaient a priori, ils vont l'annoncer début 2025, là, au prochain CIS. Ouais, mais pour une disponibilité à quel moment, je ne sais pas. 2025, mais certainement pas en janvier ou février. Ouais, je sais pas trop. Donc, faudra voir ça, effectivement. Parce que si c'est un gain de puissance, mais uniquement en RTX, franchement, on s'en bat les couilles. Globalement, moi je crois que
Je n'ai pas vraiment vu de différence. J'ai pas fait les gros jeux RTX, genre j'ai pas fait Cyberpunk, mais avec ma 4090, les jeux où j'ai activé le RTX, bon finalement, je voulais pas spécialement ce que ça m'apportait en plus. Après, c'est peut-être parce que les jeux en question n'apportaient pas grand-chose dans RTX, mais c'est voilà. Je sais pas. Justement, ouais, c'est vrai que tu nous fais remarquer qu'on voit l'étoile depuis le début. Ouais. On va voir, il y a une partie où C'est on a une long, hein. arme. Ouais, non, mais c'est long, bah, bien évidemment. Ouais. Ah, toute une partie en Ça fait vaisseau, là. beaucoup de toiles, quoi. C'est Ouais. Bon, après, les ennemis. Je connais pas trop le quoi? lore, donc ça fait penser à du Halo. Mais Ah oui. sinon. En Et tout cas, je suis trop oui. content, il y a des QTE. Ouais, il y a des QTE, ouais, c'est vrai. Ouais. Oh là là. Ouais. Bon, c'est. Mais les effets de lumière, ils sont vraiment réussis par contre. Ça, c'est vrai que là-dessus. Ouais, et Ouais, justement, je sais pas comment ils marchent les effets de lumière, parce que j'ai pas mal discuté avec le CEO de Deep Worlds, qui est donc Aeris, qui développe Beautiful Light. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs. Mais en fait, il parlait de la différence entre. Les technologies genre l'humaine qui font que tout est calculé à la volée et les technologies anciennes où tu devais construire en fait tes ombres et tes lumières et ce qui fait que en fait tu dois construire tes lumières une fois mais ce processus-là prend énormément de temps et si tu changes un truc tu la reconstruis on appelle ça bake les lumières. Et donc du coup, en termes de ressources pour le client, pas client, mais l'utilisateur, c'est très bien parce que du coup, là, il n'y a pas grand-chose à faire côté client. Mais par contre, à construire, c'est extrêmement long. Donc là, je ne sais pas de quelle technologie ils utilisent dans Squadron 42 et dans Star Citizen pour les lumières. Mais ce serait pas étonnant que ce soit une technologie où c'est calculé à la volée, quoi. Ah, les phases Moi, de je pense shoot, que... ouais, elles sont pas dingues. Il y en a à la fin, c'est encore pire. Tac, tac, tac. Non, mais je pense Tac, qu'ils mettront en avant le côté spectaculaire du truc, et puis... Bah, après, franchement, ouais. Là, en plus, le mec, il joue vraiment comme une bite. On dirait qu'il joue à la manette, alors que c'est bien l'interface du PC. Donc, je sais pas trop. Est-ce qu'il joue pas quand même avec une manette? Parce que je trouve quand il se déplace et tout, il vise vraiment nul, vraiment comme un nul. Regardez comment il bouge. C'est, Ouais. Mais j'ai pas l'impression que ça ce fait soit la vraiment souris. penser à du Halo, hein. Ouais, ça fait vraiment penser à du Halo, effectivement. Ouais. Mais sachant que au niveau des features des armes, c'est beaucoup plus poussé qu'un Halo. Il y a quand même pas mal de trucs. Ouais. Enfin, référence aux vidéos où il présentait justement les armes. Donc voilà, moi, je suis quand même si ce que je vois là, ça me tente pas trop là, je vois ça a pas l'air ouf. Bah bon, c'est des ennemis éponge à balles, ils réagissent pas aux balles, etc. Court dessus avec leur lance. Il Ouais, y en a c'est qui me ça. tirent dessus là. Bon. Oui. Mais après, en fait, il y a aussi des ennemis humains, hein, et les ennemis humains, ils ont leur flingue, ils vont. Voilà. Je sais pas dans Squadron 42 comment ça va marcher, parce que sur Star Citizen, ils sont complètement débiles. Mais il y a peut-être moyen qu'ils soient un peu moins cons hein, sur un jeu solo. Mais ouais. On peut déjà avoir pas mal de problèmes de collision aussi, avec l'alien qui monte sur le Ouais. mur, qui te passe à travers quand t'es par terre. Ouais, c'est. Y a plein de trucs, il y a plein de problèmes en fait. Hein, Ouais, mais ça sort dans 2 ans, ça Ouais, va. on peut se dire ça effectivement. Mais le truc, c'est que quand tu sors un jeu d'une trentaine d'heures où tous les systèmes en fait, ils sont un petit peu. Ils ont. Comment dire, ils ont été construits parce que l'idée était bonne, toi. C'est pas, je sais pas comment. Et je pense qu'ils ont pas construit de la bonne manière. Ils rajoutent plein de trucs avant même que les bases soient solides. Ce qui fait que bah t'as plein de petits bugs, plein de petits trucs qui font qu'ils vont pas. Voilà. Et alors Thanatos nous parle de Bake the Lightning. C'est cool niveau perf, mais ça prend plus de place niveau mémoire. Ouais, mais ça c'est pas grave ça. Maintenant t'as beaucoup de VRAM. Enfin, c'est pas grave. C'est juste que voilà, ça dépend comment ça marche, quoi. Si tu arrives à faire du streaming, parce que par exemple là, sur un Squadron 42, est-ce qu'il y a des niveaux ou est-ce que c'est un grand monde dans lequel tu avances progressivement, du coup ça charge et ça décharge, je ne sais pas.
De toute façon, on l'a vu avec les derniers jeux AAA, hein. 8 gigas de VRAM maintenant, c'est plus assez. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est limitant pour les objets dynamiques ou s'il y a un cycle jour-nuit. Par contre, tu peux avoir de jolies ombres et la light direct ne touche pas directement. Ou la light direct ne touche pas directement. Ouais, voilà. Mais après, l'inconvénient, c'est par exemple une lumière qui rentre directement dans une pièce avec un genre de lumen et tout ça. Tu vas avoir en fait une illumination par rapport à la quantité de lumière qui rentre dans la pièce. Donc tu vas avoir des reflets, enfin des reflets d'éclairage globalement parce que tu as la lumière qui rentre dans la pièce. Alors que si tu bake, il faut vraiment que tu aies bien réfléchi à tout ça avant, quoi. Et donc voilà. Ah, c'est pas la même version que la version live, d'accord, ok. Ok, Nio. Ouais, ouais, t'as une version propre avec moins de bugs. Et sans le crash, sans doute. Bah, c'est celle... Oui, bah, forcément, puisque celle-ci, effectivement, a été uploadée sans le crash. J'ai pas vu le crash. Voilà. Donc, globalement, pour récapituler, hein, c'est prévu pour 2026. Bon, évidemment, on n'est pas à l'abri d'un autre report. Hein. Et voilà. À la prochaine CitizenCon. Ouais, on verra effectivement. Et je sais pas s'ils ont parlé de Star Citizen aussi. J'ai pas suivi, je vous avoue. Je regarderai peut-être pour voir s'il y a quelque chose à dire. On essaiera de faire quand même un petit article pour parler de ça. Mais voilà quoi. Bon, je pense qu'on a bien parlé de Squadron 42. On va pouvoir enchaîner sur la suite. Puisque Stuka nous a préparé un petit quiz. C'est le quiz, ouais, le quiz. J'ai pas fait grand chose sur le quiz. Ouais, bon, pour finir sur Squadron 42, Alpha Blue Light nous dit qu'il a regardé le récap de JDG, donc de Joueur du Grenier, de quelques minutes, mais c'était à mourir de rire. Bon, bah je regarderai. Je regarderai du coup. Et comme ça, on aura toutes les informations. Il est plutôt c'est quelqu'un qui est assez passionné par le jeu. C'est un converti. Ouais, un converti, effectivement. Même si j'ai l'impression qu'ils. Enfin, même tous maintenant, ils sont assez. Mince, j'ai perdu le mot. Ils sont lucides. Lucide, voilà, sur ce qu'est le jeu actuellement, etc. Ok. Donc, bah, c'est parti pour le quiz. Hein. Qu'est-ce que... Allez, on enchaîne. Le quiz. Ouais. Le quiz. Ouais, c'est bon, j'ai déjà fait. Ouais, je sais. J'aime bien. Il se rend chéri. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le quiz, j'ai quoi? Hop, un fond. Ouais, voilà. J'ai les clés. Ouais. Ça rentre encore? Oh, merde, ça rentre pas. J'ai rajouté des clés qu'on m'avait. Attends, c'est où? Ah oui. Les clés, ça rentre pas les clés. Hein. Fais ça, si c'est bon, ça va rentrer. Voilà, alors, je vais vous mettre les clés ici. Voilà, donc alors ce soir, qu'est-ce qu'on offre? Bon, on a toujours les mêmes, hein. Dedou, Karma 3, Spirit, donc le DLC, Bloodhound, Kingpin, Sentry, Strife Fate, qui est un genre VR, Bodycam, qui a eu une mise à jour, enfin qui va avoir une mise à jour là pour Halloween, en mode zombie, copié de Call of. On a Bureau Front. Contax, qui est un Phasmophobia-like. Twin Lex, qui est un jeu d'enquête immonde. Enfin, très moche. Après, peut-être qu'il est bien, hein, je sais pas. Puis d'autres trucs qui sont plus ou moins en vue FPS, mais qui sont pas forcément des jeux. Ouais, et on a Alone in the Dark, donc les Xbox, quand même, si vous voulez. Et voilà, donc c'est nos petits trucs. Et on va... commencer directement et... Attends, et tu veux que je montre... Non, que je fais d'abord écouter la musique, c'est ça? Non, moi je pense que tu peux balancer les deux en même temps, parce qu'il y en a, ça va être... Ouais, alors rapidement, le thème, on sait bientôt Halloween, tout le monde le sait, il y a des citrouilles partout dans les supermarchés, c'est ridicule. T'as mis des citrouilles, Leclerc, chez toi, Matmat? Pas encore? Alors, je n'ai pas mis de citrouille, mais juste pour une petite anecdote, si je peux me permettre, on a eu une réclamation client ce matin, d'une cliente qui ne viendra pas faire ses courses pendant Halloween puisque la décoration, elle n'a pas trouvé l'adéquat à son goût. Parce que bah, nous, on a pendu des têtes coupées, mais en déco Halloween, quoi. Au niveau des stands. C'était pas des têtes. Elle n'a pas trop aimé. Elle a dit que ça manquait de citrouille. Donc, ouais. Donc, voilà, elle ne viendra plus faire ses courses chez nous pendant Halloween parce que
Elle n'aime pas avoir des têtes découpées et des monstres, en fait. Elle préfère les petites citrouilles. Ok. Oh, bien bon, bah, tant pis pour elle. Hein. Bon. Voilà. Tant pis pour elle. Bon. Elle a eu au genre, cette conne, pardon. Elle a eu au champ. Ouais. Mais donc, le thème pour ce soir, c'est pas Halloween, c'est des FPS avec des éléments horrifiques. Voilà, donc ce sont pas des jeux d'horreur à la con. Il y a un jeu nul. Il y a un jeu moyen et il y a un jeu nul. Tout le reste, ce sont des jeux qui sont bons, du très bon au très correct. Je crois que sur le premier, tu m'as mis la musique de pas le bon jeu. Ah bon? Ouais, c'est mais c'est pas grave, je l'ai trouvé. Ah oui, t'as raison. Ouais. Ouais, parce qu'en fait... Excuse-moi. Bah en fait, ouais, mais c'est parce que le titre est pas bon. Parce que je trouve la même chose que toi. Mais du coup, je vais mettre cette musique-là. Eh bien, c'est parti. Et je vais vous montrer en même temps la photo. Est-ce que ça marche? Vous pouvez me dire, ça marche? Pour moi, ça marche. Ouais, ça marche. Dans la musique et tout. Ouais. Pas trop fort la musique, c'est bien? Ouais, et c'est Nio. Trouvé déjà. Ah. Ouais. Non, c'est pas Nio. Trop fort, c'est bien. Merde, faut que je sorte la fille Excel. Et bien, Clive Barker's Undying. Et c'est le menu. On est même pas. Du coup, c'est un peu fort, je pense. Ouais. Voilà, donc ça, c'était le premier. Si alors, attention. Je note les points, mais je sais pas si on m'entend bien. Ah, si, on t'entend très bien. D'accord. Si, on t'entend, Loulou. Donc, okay. C'était bien. Clive Barker's Undying. On enchaîne avec le deuxième. Si ça doit aller vite. Bah oui, 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 oui. C'est marqué dessus. Xobar. Non. C'est marqué dessus. Non, c'est non, c'est pas marqué dessus. Bravo Xobar. C'est bravo Xobar. Ouais. Effectivement. Quel jeu, mais quel jeu, quel jeu, quel jeu. Avec référence à Shining. Attends, Nio il dit qu'il confond Exen et Blood. Ouais, faut pas répondre. C'est pas pareil. Faut pas il y en a un qui est chiant avec des labyrinthes et des pouvoirs magiques à la con, et il y en a un où t'as un shotgun et où tu t'effondres des cultistes. Tu peux pas confondre les deux. On peut le bannir ou pas? Non. Ouais, moi j'ai jamais joué à Blood. J'ai jamais. C'était pas trop. Pas trop de mon truc. Alors on enchaîne à la suite pour quelque chose d'un peu plus récent. Avec un compositeur assez connu. Et. Ce n'est pas cultiste. Si c'est la musique la plus connue, celle-là. Non, mais je trouve que ça collait bien avec l'ambiance du screenshot. C'est un peu le jeu qui a fait la renaissance des rétro FPS. Ouais, des boomer shooters. Le truc de merde, il y a un 2, non. Non, n'importe quoi, Dusk. Bravo Xobar. Bravo Xobar. Heureusement que tu es. Il sauve l'honneur. Ah, il sauve l'honneur. Okay. Mais putain, qu'est-ce que c'est que ce public là? Ouais. Avec Gotak, ça faut se réveiller. Hein. Alors, on enchaîne. Et c'est parti. Voilà, là ça va être un petit peu difficile, je pense. Enfin, un peu facile si je mets l'image. À la limite, vous pouvez écouter un peu. Je pense que si tu mets que la musique. Ouais, ça va être compliqué, effectivement. Oh, ce sera l'image. Bah attends. Ah, bah ça, ouais, bon, ça c'est facile. C'est donné. Allez, ça. Toi, tu les as poncés, toi, c'est normal. Ouais. Hein. Ouais. C'est donné. Allez, ah, oui, mais. Ouais, bon, allez, on donne quand même parce que je crois que c'est le 2 d'ailleurs.
Ouais, mais, ouais, ça, mais c'est bon. Ouais, c'est tu peux pas faire la différence entre les deux. Ouais, c'est pas possible. Il y a même pas de. Si, si, visuellement, tu peux faire la différence. Visuellement, le 2 est. Ouais, ouais. Mais après, c'est la musique du premier, donc à la limite. Ouais. Non, oui, parce qu'ils ont. Ils ont un petit peu recyclé. Bon, bah là, il y a égalité entre Nioh et Xobar. Alors, c'est parti pour le suivant. T'en as mis un en particulier ou c'est... Ouais. J'en ai mis un en particulier, c'est-à-dire... Ouais, en fait, dans la playlist de l'OST, c'est le deuxième. Oui. Yeah. Pokémon. Ouais. Ça s'énerve au bout d'un moment ou... Non. C'est un truc assez lancinant. Non. C'est fait par un monsieur connu aussi, mais c'est vieux. Ouais. Ce n'est pas Fear 3, ce n'est pas Fear 2. Il y avait le logo du groupe dans le jeu. Ouais. Et Quake, effectivement, j'ai pas montré, mais si j'avais montré ça. Et moi, évidemment. J'ai pensé à Fear aussi, moi. À Nine Inch Nails. Oh putain, je sais plus parler. Ouais, non, je l'ai compris. Voilà. Ok, ok. Un point pour Belzara. Je vais baisser. Le stream, alors, j'ai plus le retour, hein. Je vais rafraîchir ça. On va passer au suivant. Attention, c'est parti. Là, j'ai pas besoin de vous montrer l'image. Okay. Bravo Nioh, effectivement, Doom 3. Voilà, Doom 3, donc ouais, toujours dans le thème un peu horrifique. Ah putain, j'ai plus de retour moi. C'est pratique ça. Une note comme ça. Voilà, parfait. Alors. On enchaîne. Et c'est parti. C'est pas du Duke Nukem 3D. Y a pas trop de... Ah oui, en fait le thème c'était un peu surnaturel aussi. On a oublié de dire. Ouais, il y a quelques exceptions dedans. Mais... C'est eu ça. Non, on a dit horrifique. Horrifique, c'est ça. Mais si... Allez. Ouais, voilà, Painkiller. Bravo, Painkiller, effectivement. J'allais dire, c'est le même principe que sur Sam, t'appuies sur la touche S et tu tires. Ouais. On enchaîne avec quelque chose qui va être, à mon avis, plus difficile à reconnaître avec la musique. Hein. Ouais, là... Par contre, l'image, normalement, devrait vous dire quelque chose assez rapidement. Mettre un peu de musique. Non, c'est pas ce musique-là, on peut donner un indice, c'est pas un jeu d'action quand même. Pas trop action. Et pas spécialement un jeu d'horreur non plus. Ça devient action à la fin, malheureusement. Ouais, ouais. Malheureusement, ouais. Non. Et malheureusement comme je dis. Attention, je vous mets l'image. Et là normalement, ça devrait aller assez vite. Oui, c'est un sacré bon selfie. Oulala, d'accord. T'as trouvé toi le jeu? J'ai un doute là. Et bravo, il est trop fort ce Xobar. Xobar est très fort, effectivement. C'est bien Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Tu connais pas ce truc, Blizzard? Bah, c'est un FPS Lovecraftien sorti en 2005, il me semble, ou un truc dans le genre. Ou en tout cas, dans ces années-là. Qui était un peu cassé, ouais. C'est tout buggé, comme dit Nioh. Effectivement, c'était un peu cassé. Ouais. Il y avait une phase à la fin un peu plus action qui était très ratée. Et la partie un peu au début qui était exploration-enquête qui était plus intéressante. On enchaîne avec un petit truc un petit peu plus vieux, mais. Alors, il faut avoir effectivement fait le jeu, bon, pas par menti, mais il faut avoir avancé un peu dans le jeu pour
pour savoir que c'est qu'il y a du paranormal dedans. Et là, si je vous montre l'image, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Bien. Pas métro. Pas condamné. C'est ça se passe. Ah, balistique 67 qui a trouvé, c'est effectivement Return to Castle Wolfenstein. Le niveau où on commence à rencontrer les zombies. Ouais, les zombies. Effectivement. Bravo, balistique 67. Respect, mec. Ouais, respect. Tac, tac, tac. Le dernier. Et le dernier. Alors là, si vous trouvez, eh bah, ben, félicitations. Hein. Allez, je mets l'image directe. Parce que là, alors, ça, franchement. Tu connais ce jeu, Estia? Parce que je connais beaucoup de FPS, mais j'y ai jamais joué. C'est pas Necrovision, c'est pas King Kong, non. C'est pas Star Wars. Non. Ah, il y a du paranormal hein, et de l'horreur un petit peu. C'était pas ouf. Hein. C'est alors, ça, la momie, on se rapproche un peu dans le principe, du principe. Hein. Stalker 28. Non. C'est inspiré d'Indiana Jones. Mais en FPS, sure. C'est pas Turok. c'est toi, Matt Bolkirk. Bah oui, c'est. Je sais pas la réponse. Hein. Tu connais pas du tout, toi? Ah non, Martin, non, pas du tout, j'ai pas regardé. Ah, Xebar semble avoir trouvé, mais. Alors, Xebar, est-ce qu'il sait? Bah non, il bluffe. Tu bluffes, Martini. Non, bah. Il a pris un screenshot, il est parti sur Google Images. Du Brigade, ouais. Non. Non, c'est pas ça, Brigade. Ça me dit rien de tout comme ça. En fait ça quand j'ai dit dans le Discord je sais plus bah, qui a dit qu'il connaissait pas. Tu connaissais pas toi? Moi ça va, je connais. Bah, tu connaissais ouais, je connais. Je crois que c'est un studio canadien, un truc comme ça. Franco-canadien, je sais plus. Moi ce qui m'a surpris c'est que quand je l'ai cherché sur Google, le premier truc que tu trouves c'est la version Xbox. Alors, Hitman n'est pas un FPS. Alan Quaterman n'est pas un FPS non plus, ça. Bon, alors, ça trouve pas? C'est un jeu ouais, où on incarne un aventurier, un peu comme Indiana Jones. C'était vraiment, vraiment pas ouf. Genre un peu de la merde, quoi. Il y avait des momies, il y avait des... Des quoi? Je sais même pas trop ce qu'il y avait comme ennemi, parce que... Parce qu'en fait, moi j'ai jamais joué, mais je me rappelle plus du nom, mais j'y ai joué. Ah ouais, bah, ça compte pas, ça, Xobar. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme. Alors, c'est édité par THQ. Alors, ce que je pourrais faire, c'est si je fais ça normalement. Core Keeper, non. Alors, j'ai déjà vu le truc, mais je me souviens pas vraiment. Ok, d'accord. Alors, attends, est-ce que. Voilà, il est encore sur Steam, il vaut encore 20€ sur Steam. Sérieux? C'est développé par The... Ah, c'est The Farm 51? What the fuck? C'est The Farm 51? Si, c'est ouais. Bravo, ah, ça y est, c'est Default Aventure, bravo, tu as trouvé. Voilà, tu as trouvé. C'était plus rapide d'aller sur Steam. Ouais. Attends, c'est The Farm 51. Ouais, c'est vrai, ça. Oui. Donc ceux qui font Chernobyl Elite... qui font World War 3, qui ont fait DLC Painkiller, Necrovision, DLC Painkiller. Putain. Ah, je pensais pas que c'était eux. Voilà. Ouais. Et bien voilà, bah, c'était c'est Xobar qui gagne encore une fois, j'ai l'impression. Ouais, effectivement. Bah, bravo Xobar. Ouais. Bah, Xobar, tu n'hésiteras pas à venir me voir sur Discord pour. Pour ton cadeau. Voilà. Et pourtant, Nioh était bien parti au début. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ouais. Default Aventure, les gars. C'était. Tac. Il a dit retour entre les têtes. Tac. On revient ici, normalement. Et.
Oui, effectivement, il a bien mérité après avoir trouvé Deadfall Aventure. Ça serait bien de faire des streams de jeux bien pourris, là. Enfin des vieux jeux qui n'étaient pas ouf à l'époque. je pense qu'il y aurait moyen de se marrer quand même. Ah, il y a des lampes torches qui crament et tout. Ok. Alors, bah, du coup, on va passer au test et preview, hein, puisqu'on n'a pas fini l'émission. On va essayer de ne pas faire trop long, hein. On va faire des trucs. Voilà, on a donc Loulou, écoute, c'est toi qui vas commencer avec Shady Knight, puisque tu as souffert. Tu as souffert sur Shady Knight. Oui. Explique-nous pourquoi. Effectivement. Alors, bon, j'espère que ça ne sera pas trop saccadé. Non, alors, mais ça a l'air de marcher. Parler, là, d'accord, ouais. Là j'ai vraiment éteint plein de choses. Hein. Là, c'est quand même bien, ça serait trop zarbi. Donc du coup voilà, donc pour parler de Shady Knight, alors c'est quoi? C'est avant tout un jeu de parcours très exigeant avec aussi un aspect hack and slash. Et donc comme bah, il a pu être dit en tout début, c'est vraiment une expérience extrêmement ardue et qui vous demandera en fait d'avoir une parfaite maîtrise, on va dire, du parcours. Alors au début, on va dire ça va, on vous guide un petit peu. Alors bon, là, c'était avant qu'il y ait une mise à jour qui puisse donner un peu plus d'accessibilité. Donc voilà, c'est pour ça, hein, je mets aussi le contexte, parce que sinon, c'est vrai que ça a un petit peu changé. Mais voilà, donc du coup, on nous apprend un petit peu les bases du jeu. Voilà, les sauts, sauter sur les rebords, s'accrocher sur les cordes et encore utiliser les grappins. Et plus on progresse en fait dans cette aventure, plus on pourra, on va dire, atteindre le sommet d'une tour afin de battre, on va dire, le grand méchant du jeu qui nous a techniquement, si je dis pas de bêtises, tué. Et voilà, donc... Ouais, parce qu'on est dans les limbes, dans le genre. Dans une sorte de limbe qui donne accès à un hub central. Et justement, depuis ce hub central, en fait, on peut avoir accès à des portails qui nous ouvrent en fait des parcours, c'est ça qui est en fait marrant, tout le jeu est construit sur des parcours en fait. Donc voilà, ouais. et dans ce hub là, comme on peut le voir, excuse-moi, c'était pas forcément un hub, il faut utiliser ces mêmes capacités dans le cadre d'un parcours pour rejoindre les différents niveaux. Et c'est vrai que c'est assez compliqué dans le sens où plus on progresse, plus on y fait, la difficulté grimpe de manière assez exponentielle. D'une part parce que bon, il faut avoir une certaine maîtrise pour comprendre comment grimper en haut, alors sachant que parfois il peut avoir plusieurs façons de grimper, donc ça nécessitera pas mal d'observation et d'expérimentation. Il y a aussi un aspect, on va dire, et d'expérimentation, ouais. Et également, alors tout l'aspect hack and slash, ben, c'est le comme vous pouvez le voir, c'est qu'il faut aussi abattre les ennemis pour obtenir aussi un meilleur score. Donc il y a le temps qui est pris en compte et aussi comment on abat les différents ennemis. Alors l'avantage, c'est que dès que vous débutez un parcours, quel qu'il soit, vous n'avez pas accès à des armes. En effet, il faudra que vous les ramassiez soit sur les armes qui traînent au sol. D'ailleurs, ce qui vous permet plus tard d'utiliser l'esquive, justement, parce que le dash, plutôt, excusez-moi, parce que c'est vrai, comme il avait été souligné, le dash ne peut servir uniquement qu'à récupérer les armes. Et l'avantage, c'est que justement, par exemple, une technique que vous allez devoir apprendre par vous-même, c'est par exemple d'utiliser une arme, de la balancer contre un mur, et pourquoi pas justement d'utiliser le dash pour rejoindre justement l'arme sur le coin sur lequel vous l'avez planté, par exemple. Donc voilà, alors au niveau des ennemis, moi j'ai trouvé, me concernant, je dirais pas, peut-être pas des sacs à PV, mais c'est vrai qu'ils encaissent pas mal de coups, donc il va falloir bourriner à fond pour pouvoir les tuer. Eux par contre, ils ont cet avantage de pouvoir vous enchaîner assez rapidement, donc vous allez mourir des fois assez vite. Quand bien sûr, bon, si bien sûr ce ne sont pas les différents ennemis qui vont vous tuer, généralement c'est le vide. Alors l'avantage au début, c'est que sur les premiers niveaux, vous avez des checkpoints qui vous permettent de ne pas vous retaper tout le parcours. Malheureusement, très vite, vous allez vous rendre compte que ça aussi, ça fait partie des éléments de la difficulté croissante. C'est que dès qu'à un moment donné, pour un acte manqué, on va dire, pour une petite absence de quoi que ce soit, bah, malheureusement, il faudra tout vous retaper. Mais après, c'est le but, hein, vraiment le but. Essentiel du jeu de Shady Knight, justement, c'est d'avoir une maîtrise parfaite du parcours. Et après, vraiment, pour les hardcore gamers, voilà, pour ceux qui adorent les parcours de manière générale, c'est vraiment de faire le, comment dire, le meilleur temps, les meilleurs skills, le meilleur temps, voilà, c'est vraiment pour atteindre le fameux SS. Donc voilà ce qu'on peut dire. Alors nous, c'est même vrai triple que S, quand... je crois, maximum. Ouais, triple S, ouais.
Et donc, ce qu'on peut dire, donc, bon, l'aventure est, reste en soi assez linéaire, bon, même si entre-temps, de plus en plus, des ennemis vont se dévoiler au fur et à mesure avec leur, leur propre pattern et leurs propres faiblesses, y compris bon, des nouveaux mouvements, comme, comme il avait été dit en, en début, qui sont à découvrir. Voilà. Et au niveau alors, des petits soucis qu'on a pu rencontrer, alors, autant c'est extrêmement bien optimisé, moi, j'ai pas eu de soucis sur ma config. Autant bon, il y a eu des petits bugs voilà, qui avaient été constatés, mais qui ne sont pas en soi, on va dire, des bugs extrêmement gênants. Par exemple, il y a eu des. Si je ne dis pas de bêtises, il y a eu des. Ah, je trouve plus le mot. Des tonneaux, par exemple, qui n'explosaient pas au contact des ennemis. Bah, tu ouais, mais, voilà. Mais après, c'est, sinon, ça, c'est possible soi, qu'il ait corrigé, parce qu'il y a eu quelques patchs quand même. Ouais. Donc, c'est possible qu'il y ait des corrections depuis. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire en gros. Donc, c'est vrai qu'au début, comme j'ai dit, c'est. C'est vraiment pour mettre dans le bain, mais après, très vite, ça peut être assez, on va dire, si vous n'êtes pas habitué ou si le challenge n'est pas spécialement votre tasse de thé, ça peut être un des moments fort déplaisants, mais comme j'ai dit, c'est vrai qu'on avait fait une petite comparaison avec un autre jeu. Excusez-moi, parce que là, j'ai un petit trou de mémoire, justement. Où, avec Eco Point Nova, peut-être par exemple, Eco Point Nova ou non, plutôt Hungerfoot. Ah oui, Hungerfoot, voilà, qui avait aussi une certaine difficulté, mais l'avantage, comme j'ai dit, c'est vrai que dans la façon de percevoir la satisfaction de réussir, ce n'était pas la même. C'est vrai que Hungerfoot, quand par exemple, voilà, ça bloquait, mais à un moment donné, c'est vrai que tu arrivais à finir ton parcours le plus vite possible, tu arrivais à abattre les ennemis, parce que comme tu disais, tu apprenais par cœur les spawns et autres. Donc, quand tu finissais, tu obtenais une certaine satisfaction. C'est vrai que dans Shady Knight, quand tu commences à comprendre ce qui va t'attendre par la suite, tu es plutôt exaspéré parce que tu te dis que ça va être encore pire que ce que tu as pu vivre lors de ton précédent parcours. Ah, voilà, ouais. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est quand même assez. C'est qu'il y a quand même un aspect assez psychologique, mais après, bon. C'est pas infaisable. Je l'ai pas encore terminé parce que c'est vrai que je me suis pas encore remis dessus. Je suis déjà quasiment dans le dernier niveau. Mais c'est vrai que par moment, moi, ce que je considérais, si à un moment donné ça vous tape un peu trop sur le système, c'est d'arrêter peut-être de faire autre chose. Jeu, c'est ça. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Donc voilà ce qu'on peut dire en gros sur Shady Knight. Donc ça reste quand même une expérience intéressante. Hein. C'est vraiment très bien foutu, très bien optimisé. Comme on dit, bah là, le dev indé solo, il est à fond dessus, il continue justement à mettre à jour et il compte prochainement rajouter du contenu supplémentaire et peut-être des nouveaux éléments de gameplay, donc à voir. Donc voilà, donc vous êtes prévenus, hein. C'est un jeu qui est ma foi fort bien, hein. Alors, comme je dis, vous allez vous amuser, mais il se peut que, bon, si vous n'avez pas l'habitude, ça peut être voilà, assez frustrant. Vous avez peut-être pété quelques claviers, quoi. Voilà, exactement. Voilà. On peut dire de manière globale sur Shady Knight. Voilà, moi c'est. Je peux rebondir un petit peu dessus parce que globalement, comment ouais. Ça s'est passé, c'est que le développeur nous a envoyé deux clés. C'est assez rarement le cas hein, puisque généralement ils envoient une clé. Il a envoyé deux clés et du coup, quand Loulou a fait le test, à un moment sur le Discord, il a dit putain, c'est pas possible, j'en peux plus. Enfin, c'est beaucoup trop dur, j'arrive pas quoi. Soit je suis vraiment hyper nul, soit il y a un truc qui va pas quoi. Et je me suis dit, bon, c'est bizarre parce que j'avais testé la démo il y a longtemps et j'avais trouvé ça plutôt sympa. Je me suis dit, bon, bah on a deux clés, autant que je vérifie, ce serait con de rester sur un truc qu'on comprend pas, etc. J'ai lancé et effectivement, j'ai compris quoi. C'est effectivement d'une difficulté extrême, on va dire, même si. La difficulté vient du fait qu'on doit découvrir tout par soi-même. C'est-à-dire tous les mouvements qu'on fait, on doit les découvrir par soi-même. Et c'est ça aussi qu'a fait le développeur là, depuis que le jeu est sorti, c'est qu'il a fait des patchs pour rajouter des indices, pour que les indices, il y en avait dans le jeu, mais moi je ne les ai pas vus, alors que je suis arrivé jusqu'à la fin. Et la plupart des indices, je ne les ai pas vus, même non, je crois que je n'ai vu aucun indice. Donc il a fait en sorte que les indices soient visibles, qu'on puisse comprendre comment utiliser les indices, parce que même utiliser l'indice, il fallait appuyer sur une touche et je ne savais pas. Et puis même, voilà, faire des tutos, mettre des points de respawn dans les niveaux les plus difficiles. Alors peut-être pas sur tous, mais en tout cas à certains niveaux où il a dit qu'il avait rajouté des points de respawn pour éviter de refaire tout depuis zéro. Enfin, des choses comme ça. L'accessibilité globalement. Parce que moi, je lui ai fait part de ça avant la sortie du jeu. Parce que je trouvais ça normal de lui dire, vu qu'il avait envoyé les clés en avance, de dire, bah écoute, même si on n'est peut-être pas des speedrunners et tout ça,
on est quand même dans la moyenne haute des joueurs. On est des joueurs qui font pas mal de jeux, etc. Et c'est extrêmement difficile, quoi. Donc peut-être qu'il y a un petit peu de tweak à faire par-ci par-là, même si, attention, il faut bien conserver l'intention. C'est-à-dire que lui, son intention, c'était un gameplay exigeant, basé skill-based, donc vraiment basé sur le skill. Et du coup, il faut pas qu'il perde non plus la vision de son jeu. Donc, mais voilà, c'est ça qu'il a fait, c'est qu'il a rajouté des indices, pour, etc. Et il y a des endroits aussi où il a rajouté un peu d'espace, parce que pour que les combats soient un petit peu plus faciles. Parce que des fois, quand on est un peu triqué, c'est très difficile de faire les combats. Et donc, du coup, voilà, je pense, par rapport au test qu'on a rédigé, du coup, on l'a rédigé tous les deux, Loulou et moi, parce que on a pu expérimenter des choses d'une manière un peu différente, parce que moi, j'ai pu discuter un peu avec le développeur, il m'a expliqué quelques trucs qui ont fait que j'ai passé un moins mauvais moment, on va dire. Mais il y a eu beaucoup de frustration quand même. Il y a eu beaucoup de frustration quand même. Je pense que, justement, avec tous ces petits patchs, il réduit la frustration, il apporte un peu de satisfaction. C'est vrai que, par exemple, quand j'ai refait les premiers niveaux pour enregistrer du gameplay, c'est assez satisfaisant parce que je maîtrisais pas mal de mouvements qui sont... qui, dans les premiers niveaux, c'est très facile, du coup. Et voilà, et c'était assez cool. Donc, voilà, c'est quelque chose... En fait, c'est un jeu où tu vas refaire beaucoup de fois les niveaux. Donc, quand tu as débloqué, quand tu as compris en fait comment fonctionnent certains mouvements, tu vas t'amuser à faire les précédents niveaux beaucoup plus vite, avec des trucs pour tuer les mecs de différentes manières, etc. Et c'est là effectivement que ça prend tout son sens, quoi. Ouais. Et donc oui, effectivement, faut avoir la fibre, quoi, la fibre du speedrun, la fibre des performances, quoi. Mais il a un Discord qui est très actif, hein, et il y a beaucoup de gens qui échangent justement sur les méthodes, comment tu passes ici, etc. Et voilà. Ouais, le mec fait tout seul, et ça fait très longtemps qu'il développe ça, puisqu'on suivait ça depuis la première démo, enfin pas la première, mais une des premières démos en 2020. Mais oui, il est tout seul, effectivement. Je crois qu'il est canadien. En tout cas, il me semble qu'il est au Canada. Voilà. Je pense qu'on peut passer sur autre chose, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, Loulou. Ouais. Non, je pense avoir dit l'essentiel, tu as très bien complété, donc je n'ai pas spécialement d'autre chose à dire. Voilà, donc de simplement dire que voilà, vous êtes prévenus, donc si au cas où ça peut être un moment plaisant, comme ça peut être déplaisant. C'est du challenge. En fait, voilà. Ça m'avait fait un petit peu. J'avais eu quand j'avais fait Warstrade Challenges. Il y a un jeu speedrun, ouais, mais où tu tires, voilà. Je me rappelle, j'avais enregistré du gameplay et à la fin, j'ai dit que j'ai un peu mal au petit doigt. C'est mage, contrôle, enfin voilà. Et là, j'ai eu ça très rapidement aussi. Tu crispes un peu sur le clavier, en fait. Donc, tu appuies assez fort sur les touches. Et donc, du coup, ça me faisait un petit peu mal. Mais par contre, très bien réalisé. Les mouvements, quand tu commences à les maîtriser, c'est chouette et tout ça. Voilà. Voilà. Là, voilà. On va enchaîner avec toi, Matmoat, puisque tu as eu l'opportunité de tester en avance A Quiet Place. Et en avance, non, je dis ça, mais même pas. Tu l'as eu, non, quand c'est sorti. Le jour J. Ouais, on a joué un peu ça. Voilà, et donc tu as testé ce jeu, donc issu d'une licence cinéma, qui est un jeu d'horreur, un film d'horreur. Parle-nous, non. Tu en parleras mieux que moi, je pense. Oui, donc A Quiet Place, The Road Ahead est développé par un petit studio qui s'appelle Stormhill Games. Écoutez, ils sont pas fortement inspirés, ils ont pris justement l'œuvre cinématographique du coup A Quiet Place, pour rester français, Sans un bruit, qui a eu droit à trois films qui ont plutôt bien marché, notamment surtout le premier, quoi. Je sais pas si dans le chat vous avez connu. Ouais, sympa sans plus les films. Ouais, voilà, sympa sans plus. Bon, le premier était cool. Du coup, ils ont eu l'idée de recréer cette aventure à travers un jeu vidéo. Donc voilà, ça va fortement vous rappeler les Hide and Seek, hein, comme Alien Isolation, où là, en fait, la principale particularité du jeu, ça va être justement de ne pas faire de bruit et d'effectuer l'aventure le plus
discrètement possible, puisque les ennemis sont totalement aveugles et réagissent au moindre bruit. Donc voilà, dès que vous allez faire trop de bruit, vous allez mourir. Voilà, il n'y a pas de, seconde chance, en fait. Si dans les Aliens, les Outlast et compagnie, on avait le droit, entre guillemets, à une deuxième chance où on pouvait se cacher dans des barils, des casiers, sous des tables et compagnie, là, on ne peut pas. Ça sert strictement à rien, je trouve, de se cacher dans des casiers puisque les ennemis sont aveugles. Donc, oui. Donc voilà, donc là, ils se sont juste... ils ont juste surfé sur le truc que, ok, il ne faut pas faire de bruit. Donc là, bon, on va voir un petit peu dans la vidéo, mais bon, c'est un peu voulu, mais voilà, je me prends un piège à loup. Et là, bon, bien sûr, je crie parce que ça fait mal, je pense. Et du coup, j'ai pas là. Et là, je recommence. Donc voilà. Donc en fait, tout le long du jeu, ça va être ça. Donc c'est assez linéaire. Hein. Donc voilà, faut pas s'attendre non plus à un triple A par un super gros studio giga connu. Honnêtement, je pense qu'Estia sera d'accord avec moi. On a été plutôt surpris, mais de façon agréable lors au bout de 2-3 heures de jeu, quoi. Alors même si les premières minutes ont été un peu pas chaotiques techniquement, mais voilà, on a eu peur quand même parce que techniquement c'est pas trop trop ça. Donc là, il y a eu des patchs hein, depuis jeudi là qui sont sortis et qui ont amélioré le fait d'avoir des grosses chutes de FPS et puis des problèmes techniques. Et bon, après avoir manipulé les options graphiques, on a réussi à retrouver un taux d'image constant et après voilà, ça s'est pas mal enchaîné. Sinon, je vous dis l'histoire pour résumer, vous dirigez une femme qui est enceinte et asthmatique. Donc voilà, on peut rêver mieux comme personnage. Parce que ça nous facilite, ça fait rire le loup, hein, mais ça nous facilite pas la tâche, vraiment. Du coup, on va devoir. Le fait qu'elle soit enceinte, honnêtement, on s'en fout, mais ça, c'est surtout pour donner de l'importance en fait au scénario. Mais le fait qu'elle soit asthmatique, par contre, ça va poser des problèmes parce que le moindre effort, la moindre tension, les poussières et compagnie, jouer un rôle sur justement notre comportement et on va devoir justement ramasser des pilules ou et de la ventoline, je ne sais plus comment on appelle ça. Ouais. Inhalateurs, non ? Des inhalateurs, voilà, on va devoir en trouver. Donc, bien sûr, gameplay oblige, mais ça, c'est un peu parsemé, c'est dissimulé un peu partout. Pour l'instant, je dois être à trois quarts du jeu. Ce que je peux leur reprocher, c'est de la frustration sur des mécaniques de jeu qui apparaissent bien trop tard pour moi dans le jeu, mais je pense que c'était un peu voulu. Parce que sinon ça serait peut-être trop facile au début et voilà, donc admettons vous voyez la bouteille est lancée, c'est ça? Ouais, admettons vous voyez la bouteille est lancée, ça pendant 1h30, 2h, on ne peut pas encore le faire. On peut pas encore le faire parce que c'est pas disponible, le jeu nous propose pas de le faire. Alors qu'au début du jeu, devant nous, vous allez avoir des boîtes de conserve par terre. Donc ok, on va marcher dessus, ça va faire du bruit, on va mourir, parce que comme ça fait du bruit. Mais par contre, on ne va pas pouvoir la prendre et la balancer ailleurs. Donc ça, c'est du gameplay. Ils n'ont pas trop réfléchi là-dessus. C'est pas très cohérent dans le principe où Y a des choses qui sont pas cohérentes. Tu pourrais déjà le faire dès le début. Après, une chose qui n'est pas cohérente non plus, c'est au niveau du phonomètre qu'on a dans notre main gauche. Donc vous voyez, on va devoir gérer un peu les jauges. Donc à gauche, ce sont les sons ambiants et à droite, c'est les sons que nous faisons. Donc en fait, si on fait plus de bruit que la jauge à gauche, on risque de se faire avoir. Il y a ça et aussi il y a la lampe torche. Donc la lampe torche, bien sûr, ça va nous aider à regarder où on marche. Parce que c'est truffé de pièges, les sols sont vraiment différents. Quand on marche sur des cailloux, on le sent, il y a des flaques d'eau, des graviers, donc ça fait plus ou moins de bruit, donc ça, faut faire gaffe. La lampe torche, justement, va éclairer tous ces endroits sombres et nous aider à nous frayer un chemin. Par contre, vous voyez, le phonomètre ne fonctionne pas sur pile. Il y a une batterie qui tient bien, alors que la lampe de poche, honnêtement, la durée d'une pile est de 3 minutes, quoi. Donc à chaque fois, vous allez devoir changer de pile constamment, donc ça pareil, c'était pas très logique, mais bon, après ça gêne rien,
le gameplay, quoi, mais c'est juste des petites incohérences comme ça. Enfin, voilà, vu le studio, moi honnêtement j'en tiens pas rigueur, ça m'a pas trop choqué. Après les QTE, ça c'est des choses qui sont, on va dire, classiques dans des jeux comme des Walking Sim, des trucs comme ça, donc c'est pareil, ça j'ai pas été choqué de voir ça non plus, même si je suis pas fan. Mais dans l'ensemble, ça reste vraiment un bon jeu, je trouve qu'il tombe à pic dans la période d'Halloween. Moi je dirais que si vous cherchez un jeu sympathique avec une histoire, bon, ouais, pas transcendante non plus, mais moi je l'ai trouvé plutôt cool. Ouais, faut compter 8 à 10 heures de jeu, je pense. On s'attendait à un truc un peu pourri. Ouais, quand c'est licence et tout. Puis finalement c'est pas si nul. Alors il y a des gens en commentaire de la news qui annonçaient la sortie, qui disaient que c'était trop de la merde, etc. Franchement, ouais, je pense qu'ils ont joué à aucun jeu d'horreur depuis 10 ans, en fait. Parce que Ouais. Bah, le jeu est bon. Et puis c'est surtout que c'est un petit studio, et moi je suis. Honnêtement, ce qu'ils ont fait, c'est il y a quand même du travail, parce que les lumières sont bien réussies, l'ambiance sonore est très réussie, parce que oui, c'est le point clé du jeu de toute façon, hein, le fait de ne pas faire de bruit. Donc là, vous voyez, dès que vous allez marcher sur la moindre feuille, le moindre bruit de verre, vous allez vraiment l'entendre, en fait. Et ça ajoute quand même de la tension. Et puis, après, voilà, faut pas se leurrer, le jeu est assez linéaire, hein, vous partez d'un point A à un point B. Il y a trop d'éléments de gameplay pour moi qui facilitent l'exploration. Comme on voit là, la fenêtre, il y a une grosse peinture jaune dessus. Les choses où on doit passer, il y a de la peinture jaune. Donc là, ils ont tout de suite écouté la communauté, et ils ont retiré. Ils permettent aux joueurs de retirer cette option dans les menus, dans les options, vous pouvez aller retirer justement. Cette aide visuelle, donc ça déjà ça pourra rajouter pas mal de choses, mais l'ensemble c'est plutôt cool. Tu disais que t'avais beaucoup de médicaments, beaucoup de piles, beaucoup de trucs, en fait, ce qui fait que tu manquais jamais, en fait, de. Ouais, ça on manque jamais, juste, donc quoi. Après, bon. Ouais, c'est ça. Après, faut vraiment passer du temps dans l'endroit. Bah là, l'endroit où on va, c'est quand même assez poussiéreux, donc on voit qu'on souffre un peu de la poussière, donc on met pas mal d'inhalateurs, mais après, vous savez que vous allez en trouver 3 ou 4. Et même si le jeu reste assez linéaire, on peut aller à gauche et à droite sur des chemins annexes, hein, mais qui restent des cul-de-sac. Mais là où on sait que si c'est pas là où on va, tu sais pertinemment que là-bas, tu vas avoir des inhalateurs ou des piles ou des bonus, quoi. Mmh. Un truc comme ça. Donc après, on est quand même assez récompensé, entre guillemets, quand on va à gauche et à droite, puisque justement, on retrouve soit des petits objets, ou alors, comme j'indiquerai dans le test, on a des petits cadeaux, des petits secrets, on va dire. Et c'est des espèces de jouets qui donnent des crédits. Et ça nous permettra, pour les fans aussi, de débloquer tout ce qui est artworks, des animations, etc. dans les menus du jeu, quoi. Donc ouais, ça, juste pour histoire de récompenser le joueur et puis de voir un petit peu le travail qui a été réalisé derrière. Voilà, bon, après, il faut savoir que c'est leur premier FPS. Donc franchement, je trouve que c'est plutôt réussi. Et puis bon, ils ont tapé dans la bonne pioche, parce que. Voilà, la licence est plutôt cool en général, et elle se mélange bien dans le genre, donc ouais. Donc après, si vous avez aimé Alien Isolation, 10 ans après, refaire un jeu comme ça, ouais, il y a des trucs, ça sera pas aussi bien qu'Alien, parce que moi c'est ce que je craignais, hein, mais vous voyez, dans Alien, vous pouvez, admettons, crafter des objets pour faire diversion, donc là vous ne pouvez pas. Vous voyez, vous pouvez faire des pièges, là vous ne pouvez pas. Donc, ça reste bien, ça reste classique, mais efficace, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire dessus. Après, bon, le reste, vous pourrez lire le test. On essaiera de le publier demain ou mercredi, écoute, je pense. Un peu, pas de promesse, hein, dans la semaine. On essaiera. Il me reste la conclusion à taper là. Ouais. Ok, bah, très bien, c'est cool. Voilà, donc un jeu d'horreur, enfin pas nul pour toi. Plus un thriller qu'un jeu d'horreur pour moi. Ouais, effectivement, ouais. C'est genre de jeu. Moi, j'aime pas les jeux d'horreur, et c'est un jeu que je pourrais faire quand même. Il y a du stress, mais il n'y a pas trop de trucs horrifiques, en fait. On va enchaîner avec un peu du suspense et d'angoisse également, puisque moi, je vais vous parler de Beautiful Light, puisque j'ai participé à des playtests il y a une semaine. Un peu plus d'une semaine, jeudi la semaine d'avant,
Voilà, donc j'ai participé à des playtests exclusifs, puisque j'étais avec toute une tripotée d'influenceurs américains. Donc j'étais sur des serveurs US, par contre, sur un serveur US. Donc j'avais pas mal de ping, ce qui est, effectivement, ça m'a un tout petit peu gêné au niveau des gunfights, même si, d'accord, je ne suis pas hyper bon. Il y a quand même un moment où je suis mort et j'ai vu personne. Je pense que le ping y était peut-être pour un tout petit peu quelque chose, même si j'aurais sans doute pas gagné le gunfight. Mais voilà, donc qu'est-ce que c'est Petit Flight? C'est un extraction shooter avec 4 équipes de 3 et une équipe qui incarne, une équipe, en tout cas des joueurs qui incarnent des anomalies. Ce sont en fait des monstres. Voilà. Le truc, c'est qu'au niveau de la direction artistique, c'est très chouette. Malgré le fait qu'on soit en version alpha et que la version Early Access soit prévue pour 2026, donc début 2026, si ils réussissent à avoir quelques fonds supplémentaires, alors sans demander aux joueurs, mais en passant par des investisseurs, ils souhaiteraient repousser encore un petit peu, pour histoire de rajouter du contenu. Donc mais je vais revenir vite fait sur quand même le concept du jeu. Donc un extraction shooter, on va... En fait, on doit aller à un point qui est un ordinateur en fait, qui va nous permettre d'imprimer une carte d'accès. Et cette carte d'accès va nous donner un accès à un bunker. Il y a plusieurs entrées, donc les équipes vont pas forcément se rencontrer avant d'accéder au bunker. Et donc, dans ce bunker-là, il y a un artefact qu'il faut récupérer. Et ensuite... Une fois qu'on a récupéré l'artefact, il faut appeler un hélicoptère et défendre un petit peu la zone pour s'extraire ensuite. Ils sont inspirés de Hunt, mais la différence, donc, c'est le fait qu'une fois que tu as la prime, c'est pas juste à courir jusqu'à la sortie. Là, tu dois t'extraire et tout le monde voit en fait où l'hélicoptère va atterrir, etc. Donc il y a un petit changement de ce côté-là. Et même au niveau des mécaniques du gameplay, il y a pas mal de choses qui sont sympas. Donc pour la partie gunfight. Très inspiré d'un Tarkov, on va dire, même si c'est beaucoup plus light hein, en termes de, on va pas chercher jusqu'aux munitions, enfin au type de munitions, mais au niveau du maniement des armes, on a un très bon gunfeel, avec des mouvements tactical comme ils disent, parce qu'ils aiment beaucoup le tactical, donc c'est des lasers, des NVG qui sont pas encore intégrés, mais ils ont prévu de faire ça. Et comme vous pouvez le voir aussi, il y a un super PDA qui est sur le poignet, sur le bras. Et cet aspect-là est vraiment super bien fait. C'est ce qui nous permet de nous diriger. Donc dessus, il y a une boussole. On voit aussi nos coéquipiers. Et il y a aussi des trucs qui nous permettent donc de localiser les PC. Donc une interface qui est un peu spéciale avec des genres de courbes et tout ça. Et on peut aller manipuler sur les ordinateurs. Et sur les ordinateurs, c'est de la ligne de commande Linux, parce qu'il aime bien ça, donc le PDG de Deep Worlds, qui est aussi le développeur initial du projet. Et donc voilà, il n'y a que quelques commandes pour l'instant, mais à l'origine, il voulait faire un truc un peu compliqué, mais le problème, c'est que les gens qui jouent, les joueurs ne sont pas forcément fans tous d'interface Linux, donc c'est une bonne idée pour ceux qui aiment ça. Par exemple, moi j'adore ça, mais je pense qu'effectivement ça peut ne pas plaire à tout. Voilà, globalement, en fait, c'est et des petites manipulations pour pirater aussi qui sont prévues. Bon, pour l'instant, c'est pas encore intégré non plus, mais moi, ce que j'ai pu tester, c'est du gameplay en équipe. Donc on peut relever ses coéquipiers, donc c'est assez, quand je dis permissif, c'est vite dit quand même, hein, c'est un jeu quand même relativement hardcore, mais voilà, on peut relever deux fois chaque coéquipier, je crois, et voilà, on a des grenades, etc., donc il y a des ennemis aussi, des genres de zombies, qui sont un peu partout. Pour l'instant, ce sont des placeholders, donc c'est des trucs qui ont été placés là, mais qui ne sont pas définitifs. Donc ils bougent pas trop, ils font pas vraiment ce qui est prévu, voilà. Mais ça permet en fait de faire du bruit et donc de révéler sa position aux autres joueurs, puisqu'on est quand même dans un extraction shooter, donc c'est assez assez important la localisation avec le son, sachant qu'ils ont beaucoup bossé dessus et déjà là c'est vraiment pas mal. Je sais plus quel système ici, je crois que c'est Stream Audio, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un truc
qu'ils ont tweaké et qui je trouve fonctionne déjà pas mal. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de la présentation du jeu. Et ensuite, ce jour-là, donc, j'ai pu en même temps interviewer Aeris, qui est le chef du groupe, globalement. Et donc, il a détaillé le jeu. Je vous laisserai aller regarder sur l'article. Et à la fin, on a aussi fait un petit échange. On était avec un autre YouTuber que je ne connaissais pas, qui s'appelle The Moderation. On a discuté de l'industrie vidéoludique et c'était fort intéressant. J'ai mis ça en podcast pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Globalement, donc on n'attend pas le jeu avant donc, un an et demi, deux ans. Donc il y a encore beaucoup de taf de leur côté. Il y a eu beaucoup de bugs. On a eu beaucoup de bugs. La première partie, par exemple, il n'y a rien qui fonctionnait. Après, la partie que j'ai montrée, là, effectivement, il n'y a pas eu de plantage, ou pas de gros plantage, mais il y a des mécaniques qui ne fonctionnent pas encore. Par exemple, on ne peut pas appeler l'hélicoptère. C'est un dev, en fait, qui appuie sur le bouton pour déclencher l'arrivée de l'hélicoptère, quoi, pour simuler, en fait, le fait qu'on ait terminé. Mais voilà, quoi. Globalement, les concepts montrés sont déjà très profonds, je trouve, beaucoup plus que plein de jeux en alpha, en fait, où tu as juste des briques à moitié bancales. Là, on a vraiment, je trouve, une boucle de gameplay qui est assez, assez poussée, sachant qu'ils ont prévu des boucles de gameplay différentes en fonction des cartes. Voilà. Après, ça reste des promesses, on n'en sait rien, puisqu'on n'a pas pu tout tester. On a testé cette première carte. Hein. Mais en tout cas, moi, je suis assez confiant, sachant que leur politique au niveau de la communication est beaucoup de transparence. Donc ils montrent tout, ils parlent tout sur leur compte Twitter. Ils parlent, même quand ils ont des soucis, ils parlent, ils disent ce qu'ils ont comme problème. Et voilà. Et donc du coup, je pense que le fait qu'ils parlent tout, ils ont pas mal parlé d'argent aussi. On a échangé pas mal sur l'argent. Ils disaient que s'ils avaient voulu, ils auraient pu prendre un publisher et ils seraient millionnaires, mais ils n'auraient pas fait le jeu qu'ils voulaient. Donc ils prennent un peu de risque, mais ils veulent vraiment bosser sur le projet en fait. Donc là, ils ont une solution quand même, ils ne crèvent pas de faim, quoi. Ils ont un investisseur qui leur permet de faire avancer le projet là, sans souci jusqu'à 2026. Mais voilà, ils sont vraiment fans de leur jeu, ils veulent que ça fonctionne. D'ailleurs, une de leurs plus grandes peurs, c'est de sortir le jeu en accès anticipé et que ça, il y ait beaucoup de monde au début et que ça s'écroule rapidement, comme on a pu voir dans beaucoup beaucoup de jeux. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils veulent rajouter du contenu en fait pour que les gens restent et qu'ils s'en aillent pas tout de suite, quoi. Voilà, j'ai fait le tour, je crois. Je sais pas si les gars vous voulez dire quelque chose là-dessus. On a hâte. Qu'ils prennent leur temps, mais on a hâte. Ouais, effectivement. Ouais. Voilà. Donc si vous voulez plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas à regarder la news. Et puis si vous avez du temps à perdre, vous pouvez écouter l'interview et l'échange, c'est en anglais l'échange, mais comme c'est un français qui parle avec moi qui est français et un américain, globalement c'est pas trop dur de comprendre. C'est juste que le son est pas toujours terrible parce que c'était pas prévu et du coup des fois il y a le son du jeu au début et tout, c'est un peu merdique, mais heureusement vers la fin c'est un peu mieux. Donc voilà, je vais revenir là-dessus. Je vais même vous envoyer, tant qu'à faire, ah j'avais pas mis le lien, merde. Bon, de toute façon, c'est en homepage, vous avez trouvé. Je vais quand même copier le lien. Comme ça, c'est fait. Ah, on a une information exclusive de Xobar. Delta Force a annoncé aujourd'hui son Early Access pour le 5 décembre. Eh bien, c'est cool. Ouais, tu as bien accroché à la démo ce week-end. C'est vrai que moi, j'ai refait une ou deux parties. Ouais, j'ai trouvé ça toujours aussi cool. Pas beaucoup de choses de plus que pendant l'alpha. Mais il y avait des modes de jeu, des nouveaux modes de jeu qui étaient proposés, j'ai pas testé pas. Et ouais, Delta Force, ok, qui va sortir en accès anticipé le 5-12. Ok. On est parti sur quoi là? On a fini les tests, c'est prévu. Oui. On a prévu un petit dossier, on fait très vite. On va juste dire quelques mots. Hein.
sur les démos du Simnéofest, de toute façon c'est terminé, donc vous n'allez pas pouvoir en profiter. Mais Shtuka, donc toi tu as testé un jeu en particulier, de quoi tu nous parles? Gravelord, c'est le truc le moins nul des trois que j'ai essayé. C'est un rétro FPS qui ressemble beaucoup à Quake, ouais. Hein, dans le gameplay. Ça va vite, on saute, on tire sur des ennemis qui sont assez rapides aussi. Le feedback des armes, j'ai pas trouvé ça ouf, parce que quand tu touches un ennemi, t'as pas de gerbe de sang, il clignote en surbrillance, donc ça j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Ah, t'as un peu de sang quand même, mais quand il meurt, quoi. Ouais, c'est voilà, quand il meurt. Et je trouvais que le level design aussi était pas ouf, c'est assez linéaire, donc on se perd pas ni rien, et pour moi ça c'est toujours un bon point. Mais vu qu'on peut quand même courir assez vite, qu'on peut sauter et tout ça, j'ai l'impression qu'à aucun moment on peut réellement profiter de ses capacités de mouvement, puisqu'on est souvent enfermé dans des couloirs qui sont assez larges, mais bon, voilà, ouais. C'est très limitant. Mais sinon, c'est fun à jouer, hein. Ça, c'est pas mal, mais ça fait encore un peu brut. Voilà. Ouais. Ok. Très bien. Moi, j'ai testé plein de démos. Il y en a beaucoup des pourris, donc je ne vais pas vous parler des pourris. Je vais vous parler plutôt de celles que j'ai bien aimées. Il y en a une que j'ai vraiment beaucoup aimée au niveau de l'ambiance, hein, c'est Hail to the Rainbow. Alors, c'est un jeu en fait, qui mêle pas mal de gameplay différents. Il y a une partie Walking Sim, il y a un peu de combat, et il y a aussi une partie infiltration, genre... je pense à l'initiation que je n'ai pas fait, donc je ne pouvais pas vous dire vraiment, mais en gros il y a un robot implacable qui patrouille et on doit se cacher dans des placards, on doit changer d'étage, etc. J'ai détesté ce passage-là, mais en fait comme tout le reste, j'aime beaucoup l'ambiance et tout ça, il y a une certaine nostalgie qui transparaît de ce truc-là, je sais pas, moi j'aime beaucoup l'ambiance. Et voilà, donc je pense que je me ferai violence pour passer les séquences où on doit juste se cacher dans les placards, et le reste par contre je prendrai mon pied, je pense. Voilà, donc ça c'était mon premier jeu que j'ai beaucoup apprécié, donc on attend avec impatience, je sais pas, on sait pas quand il va sortir. Le deuxième c'est Future Bridge 64, qui est un jeu à l'esthétique Nintendo 64, mais qui est bien un FPS et un FPS tactique en solo. Alors, j'ai mis en pause, ouais. Voilà. Comment ça marche? En gros, on a une équipe. On peut changer le FOV, hein, parce que moi j'avais un FOV beaucoup moins étriqué. Et en fait, en gros, on doit aller faire une mission. En gros, on va avec un vaisseau dans une genre de map où il y a des workers ennemis. Donc en fait, enemy worker, voilà, on va capturer pour qu'ils viennent travailler dans notre base, et on va aussi prendre des bidons d'essence et des ressources. Et donc à partir d'un certain moment, il y aura aussi des ennemis qui nous tireront dessus. Voilà, on peut donner des ordres à nos coéquipiers pour qu'ils ouvrent la porte, bridge, etc. Donc c'est franchement assez étonnant, et c'est assez fun. Franchement, moi j'ai trouvé ça assez fun. Donc voilà. Bon, pas grand chose de plus à dire. Et toi, Matmot, je crois que tu as testé beaucoup de jeux de merde, mais il y en a un que tu as bien aimé quand même. Ouais, ouais. Donc, putain, ouais, les jeux de merde, j'en parle pas parce que je vais vriller, mais c'était incroyable. Ouais, le premier jeu que j'ai fait, je pense, parmi cette. Palanquée de jeu de merde, du coup, c'était Voin. Donc Voin, que je n'avais pas testé moi lors des précédents. Ils avaient fait d'autres démos, hein, je pense, bien avant que toi et même dans le chat, ils ont pu tester. Moi, j'avais jamais fait. J'ai trouvé ça vraiment cool. Au début, je connaissais pas du tout vraiment le gameplay et compagnie. Donc j'étais agréablement surpris. Donc voilà, c'est la scène. En extérieur avec un level design franchement que je trouve vraiment réussi. Donc ouais, ben c'est un FPS principalement axé avec des armes au corps à corps. Et puis avec cet aspect aussi RPG et puis roguelite, hein, bien évidemment. Comme on voit un peu souvent. Donc ouais, on a la particularité là, c'est qu'on peut rajouter ou pas dans les options
plus de pixels. Donc toi, Estia, tu m'as dit que tu préférais avec plus de pixels et moi j'aime avec moins de pixels. Bah, c'est l'inverse, ouais, en fait. C'est moi avec moins de pixels, puisque c'est pixelisé. Et toi, ouais, c'est quand pixelisé, c'est plus fin, donc voilà. Avec plus de pixels, enfin, si tu veux aller par là, quoi. Mais ouais, c'est ça. Avec moi, ouais, c'est ça. C'est... moi j'aime bien la direction artistique telle que le développeur a pensé à l'origine, c'est-à-dire que c'est très. Ça fourmille un petit peu. Il y a des gros pixels qui fourmillent. Et toi, tu préfères quand c'est un peu plus lisse. Et il propose les deux options, donc voilà, c'est. Ouais, c'est ça. Après, ça reste un peu, ça reste du rétro, hein, de toute façon, ouais, en termes de. Et c'est quand on regarde comme c'est ça très Dark sur petit Fantasy, écran et c'est. compagnie. Voilà, c'est très Dark Fantasy. Bon, il y a quelques, pour moi, il y a des choses encore trop dans les Witchfire et compagnie. Hein, donc comme c'est un peu le même thème. Mais ouais, bah, assez prometteur en fait ce Voyne. Des mots sympathiques. Alors après, ouais, il y a il faut aimer hein, les combats à l'épée et compagnie. Mais on peut sprinter, on peut dasher. C'est assez rapide quand même dans les combats. Les pouvoirs ont l'air cool. Mais il y a l'air d'avoir beaucoup 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 de d'armes et de pouvoirs, donc faudra voir. Après, il y a aussi des combats de boss que j'ai pu en combattre un. Sinon ouais, j'ai trouvé ça sympa. Après, je peux pas trop en dire plus parce que j'ai pas passé énormément de temps sur cette démo, mais dans l'ensemble, ouais, je pense qu'il y a des avis plutôt réussis, plutôt positifs sur cette démo de Vryn. Effectivement. Et, j'aurais voulu vite fait parler de Sulfur. Ouais. De Sulfur, pareil, une petite démo que j'ai testée, que j'ai trouvé ça sympathique. Donc là, au niveau DA et compagnie, ben, c'est totalement différent. J'ai mis une vidéo sur le coin, ouais, voilà, si tu vois. Donc ça me fait étrangement penser au niveau de la DA à The Explorateur, hein, le projet qui était sur. On a parlé lors d'une précédente Noscope, je crois. Ouais. Alors, c'est vraiment parce que la DA est complètement différente. Ouais, dans l'idée, ouais, tu vois un peu, ouais, mais après, là, c'est quand même vachement, ouais, c'est vrai que c'est différent. Mais malgré le fait que ce soit vachement minimaliste et compagnie, mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment fun à faire comme démo. Et vous voyez, là, pas besoin d'avoir des super graphismes et compagnie. On a passé un bon moment dessus, quoi. On dirait la DA de Lovely Planet, ouais. Un petit peu, mais ouais, c'est vrai. Effectivement. Mais ouais, du coup, là, il y a une. La démo elle est sortie et je sais pas quand est-ce qu'il sort ce jeu. Normalement, c'est cette année, je crois. Le 28 octobre. Le 28, ouais, voilà. Lui, il sort la semaine prochaine, les mecs. Voilà. Donc, et on a ouais, une clé d'ailleurs pour tester. Et après, le reste, c'était de la merde. Ouais, le reste des démos. Beaucoup de merde. Bah, c'est pareil, on a fait du coup un dossier. N'hésitez pas à aller voir parce que bon, même si c'est trop tard, et après il y a des démos pour lesquelles qui sont toujours disponibles, notamment Neverlooted Dungeon, je pense, qui est un jeu que je vous conseillerais jamais assez. Mais voilà, donc vous pouvez aller faire un petit tour là-dessus. On enchaîne avec Avenir parce que l'heure avance, hein, on n'a pas réussi à faire moins de 2 heures, désolé. Loulou, c'est toi qui t'y colle, hein, comme d'habitude. Oui. Alors, aujourd'hui, ça va être un petit peu plus conséquent. Alors, dès demain, alors il y aura, on commence sur, on va dire, à peu près une bonne attente. Donc, No More Room in Hell 2, ouais. Un jeu coopératif dans un monde post-apocalyptique avec des zombies qui se déroule, alors qui pourra se jouer aussi bien en solo qu'en coop. Bon, je pense que l'intérêt surtout réside dans la coopération et surtout aussi dans son aspect roguelike. Ouais. À travers lequel, voilà, si on est trop gourmand ou si on veut prendre trop de risques et que malheureusement on meurt, bah on perd tout. Et généralement, on perd aussi son personnage, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ce voilà. Que j'ai ce même jour, malheureusement, une attente beaucoup moins, beaucoup moins, on va dire, haute. Ce qui nous soulève, haute, ouais, voilà, je trouve plus mes mots. The Axis Unseen, hein, que MatMat a pu aussi tester parmi les démos de Steam Neo Fest. Donc ça, pareil, ça va, malheureusement, oui, déjà, bon, là, que ça soit dans le parti pris de la direction artistique ou encore dans le gameplay, c'est vrai que c'est pas très... C'est nul. C'est nul. C'est pas très vendeur, voilà. C'est chiant, c'est long. Oh non, allez, next. Franchement, next. Ouais, t'inquiète. Par la suite, alors, donc, le mercredi 23,
On vous en avait parlé lors du news. Alors c'est Will We Wait Here. Donc c'est un Why jeu post-apocalyptique dans lequel. Ouais, Why We Wait Here. Merci. Alors, c'est un... Donc, je peux en parler vite fait. Hein, parce que, en gros, j'ai reçu la clé, je l'ai terminé et je vais rédiger un petit test. C'est un immersif, c'est pas un immersif, c'est un walking sim. Vraiment un walking sim. Ça dure pas très longtemps. C'est un voilà, c'est un walking sim. Il y avait une démo qui était disponible. Je sais plus si c'était disponible cette fois-ci, mais la démo montrait bien ce que c'était et c'est effectivement ça. Et voilà, donc je vous en dirai plus mercredi. Ensuite, donc le 24, deux sorties. Donc il y en a un qui quitte son accès anticipé, donc c'est Forgive Me Father 2. Donc on aura accès à la version 1.0. Voilà, ce même jour, on aura également. Alors là, par contre, c'est la sortie en accès anticipé de Coven. Alors c'est un peu un FPS, rétro FPS d'horreur, dans lequel on incarne une sorcière qui va se venger de s'être fait, on va dire, brûler au bûcher. Et de ce que j'en ai pu voir, c'est assez gore quand même. Et bon, ça a l'air pas mal. On peut manger les cadavres des gens qu'on tue. Exactement, certaines parties du corps. Pour gagner de la vie. Exactement. Ensuite, alors pareil, c'était une expérience que Matmot n'a pas forcément très bien vécue. Ouais, mais en solo, c'est normal. Je trouve que c'est pas. C'est normal, c'est vrai, ouais. Oui, voilà, c'est vrai, effectivement, il n'avait pas de chance. Mais ça donne déjà une idée. Si à la démo, il n'y a pas beaucoup de monde d'accès. On n'a pas dit le nom, c'est Dark Hours. C'est un jeu français coopératif dans lequel on va voler des trucs dans une maison et il y a un monstre qui arrive. Et il faut coopérer ou trahir ses potes pour survivre. Enfin, voilà. C'est juste que les vidéos présentations, c'est avec des gens qui crient parce qu'ils sont très, très, très étonnés de voir un monstre devant eux. Bon, c'est juste qu'on n'aime pas du tout ce genre de présentation. Voilà, quoi. C'est tout. Voilà, effectivement. Ensuite, c'est la grosse sortie du mois, donc le 25, le Call of Duty 21, le Black Ops 6. Donc, ça, on n'a pas besoin trop de rester dessus. Non. Ensuite, le 28, alors on a un peu indé Moon Mystery. Donc voilà, explorer la lune et tuer des robots. Donc ça annonce que du bon, hein, de manière en ironique. En solo. Et ensuite pour terminer. Ouais, voir. Déjà, on a un volontaire au sein de la rédac qui est prêt à se sacrifier pour y jouer. Donc tant mieux, déjà. On a déjà quelqu'un sur le coup, donc. Ouais. On verra bien. Et enfin, le même jour aussi également, donc là on en avait aussi un petit. C'est ce que le dernier jeu qu'on avait parlé, Matmoit, justement pour les démos Steam NeoFest, c'est Sulfur, qui normalement sortira, je crois, alors si j'ai pas de bêtises. 28, mais qui sortira surtout entier, quoi. Ça sera pas un accès anticipé, parce que j'avais cru comprendre par le passé que ça aurait dû être un accès anticipé, mais finalement, non, c'est une sortie complète. Voilà ce qu'on peut dire sur les sorties à venir, donc il y aura du choix et il y en aura pour tous les goûts. En fonction des goûts de chacun surtout. Voilà. Vendredi, Xebar disait vendredi, il y a un petit FPS indé qui sort, paraît-il. Ouais, c'était Black Ops 6, c'est ça. Voilà. du coup, je propose qu'on ne fasse pas les recommandations parce que globalement, c'était un peu les démos. Hein. On ne va pas en rajouter. À moins que vous ayez vraiment un truc indispensable à dire. Non, après, non. Ok. Quiet Place, j'ai joué à ça en ce moment parce que je teste. Eh bien, on va se quitter là-dessus. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On revient d'ici 2 semaines, je pense. On verra. On sera quand ? On sera déjà en novembre ? Eh oui, on sera déjà en novembre. Donc, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à venir sur le site, à commenter, etc. Et si on fait des streams aussi, venez nous voir. On est toujours contents. Voilà. Allez, salut ! Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde, bisous.
administrator just would not listen. A fellow scientist. Do you think we should appeal to the alien authority? I'm seeing predictable phase of aliens. I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedures today, Gordon. Quick, it's about to go critical. Critical. Our own race turning against us.